Bon allez, bonjour YouTube, j'ai des salés, c'est bon, Horizon est sorti, j'ai très hâte d'y retourner 10 heures. Alors, les VOD arrivent de Horizon, mais comme il y avait le best-of ce week-end, plus le retour des Learning of Isaac, etc., j'ai mis en lumière le retour du Learning of Isaac et le best-of. Le playthrough Forbidden West arrive, on est de retour sur Isaac du dimanche, j'ai des salés, on repart sur Eve qui doit toujours faire méga Satan, par pitié le jeu ne te fout plus de ma gueule, et puis voilà quoi, tout va bien. Pastèque, orange, cerise, raisin, banane, pomme. Donc, si tu n'as pas vu le FFS, il arrivera aussi un jour sur YouTube. Cette semaine, j'imagine, avec toute façon, trop de choses, Elden Ring, tout, bon, bref. Bref, on sait plus. Il y a trop de trucs, je n'en peux plus. Trop de trucs à programmer. Si on devait tout sortir, en fait, tout sortirait. Il y aurait 20 heures de VOD par jour, plus des streams. Donc, en fait, on s'y retrouve pas, quoi. Ah! Ils vont pas pouvoir rattraper Horizon avant le prochain stream. Ah non, mais en vrai, oui. Mais après, si vous voulez rattraper... En fait, ceux qui regardent les streams et qui veulent rattraper avant le prochain stream d'Horizon, ils regardent sur Twitch, tu vois. Sur Twitch, il y a la VOD. Le truc, c'est que ceux qui regardent sur YouTube, je pense qu'ils regardent que sur YouTube. Donc en fait, ils seront juste un peu en retard. Mais en même temps, on a joué 10 heures, quoi. Si je balance 10 heures de VOD, là, sur YouTube, enfin... Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas, en fait. On peut pas lutter. Les 9h en x2 m'ont refait mon week-end. Ah bah c'est trop bien, moi j'ai adoré Forbidden West le début là. J'ai trop hâte de continuer en fait. N'en peux plus hein. Puis c'est bien parce que c'est des jeux qui permettent de sortir un peu de la boucle Lost Ark quoi. Lost Ark j'y ai mis des heures et des heures. Presque 550 mococo on le rappelle. Mais voilà. La vérité c'est que je pourrais être à 1200 mococo hein, si j'avais vraiment joué au jeu. Hein. La vérité c'est que là je dois avoir 80 heures sur Lost Ark si on enlève les files d'attente et les temps AFK. Mais en vrai, si je m'étais... Voilà. Si je m'étais pas restreint, on serait actuellement à 250 heures, je pense. Merci Mazarix pour les 19 mois de Prime. Wizback, 2 mois. Bonjour Chiche, bonjour le chat. Johnny Mousse, 10 mois aussi. Merci beaucoup. Et ce serait terrible, en fait. 10 heures, aucun sens. Il y en a bien qui ont regardé la VOD Lost Ark. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont regardé la VOD Lost Ark. Et bah, je sais pas. Enfin, oui, merci. Mais en vrai, je sais même pas moi-même pourquoi je l'ai mis. Donc en vrai, je pourrais pas expliquer non plus pourquoi vous l'avez regardé. Mais pourquoi pas. Bien sûr. Croate des stocks PS5 pour une chance d'essayer de choper une console. Ah putain, mais en vrai, c'est toujours tant la merde que ça. Parce que moi, je lisais tout le temps des remises en stock, machin. C'est toujours autant la merde pour en choper une. C'est pas genre plus facile qu'il y a un an quand même. Oui, c'est toujours autant la merde. Merci à Renball pour les 17 mois. Ah oui, quand même, 17 mois, nice, elle est encore un peu plus rentable. Merci beaucoup. Mazarix, 19 mois. Impression qu'elle est toujours en avril 2020 en fait. Le Five Nights at Moms, il faut le faire en hard forcément. Non, je crois pas. T'as commencé vendredi, t'as 48 heures de jeu, level 49 et 287 mococo. Putain. À faire les mococo sur le premier passage, c'est beau quand même. Hein. C'est une belle preuve de résilience. Hein. Papa pastèque, orange, cerise, raisin, banane, cœur bleu. Bon, attention! Est-ce que la run sera un peu moins dégueulasse que la dernière fois? Level 30, un mococo. En vrai, pas prendre les mococo la première fois, c'est pas trop grave. En tout cas, tu vas repasser par les zones. Mais la vraie phase du livre d'aventure, ça a l'air d'être les objets de collection. Hein. Ça a l'air horrible, ça. Hein. Je crois que ma zone la plus haute, elle est à 80% à l'heure actuelle à cause des objets de collection qui sont horribles à choper. Hein. Je sais même pas quelle est la méthode la plus optique. Faut faire des donjons en boucle ou qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Zéro phase, Lost Ark. Putain, Ben, tu dois être au moins niveau 52, là, non? Level de combat, t'es 52, j'espère. Hein. Avec le temps que t'as passé sur le... Ça va, tranquille, on vous dérange pas? C'est votre casque qui vous gêne? Bon, j'avoue, je regardais le chat. J'avoue, c'est ma faute, je regardais le chat. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se heal sûrement, hein, tant pis, j'avais un cœur bleu, j'étais trop bien, mais j'ai regardé le chat, quoi. Bien dormi avant mes 18 prochaines heures de live. Bof, mais cette nuit, j'espère mieux dormir. Aïe, 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 aïe. Moi je suis level combien sur le Stark? Je suis e-level 510. Un truc comme ça. Placenta pour sacrifice. Oh oui. Oh j'avoue, là on part en sacrifice pendant une heure. Le magicien.
Bon bah dommage, là c'est ma faute hein. Honnêtement, j'aurais dû faire ce combat de boss normalement, je l'ai pas fait normalement. C'est de ma faute si on est dans la merde. Merci Arlan Filma pour les 7 mois. Aïe aïe aïe, le Prime a trop dormi, je retourne au VOD YouTube, à bientôt. Des bisous Arlan Filma. Atroxy, 5 mois de Prime, le Prime dormait, quel scandale. Et Heroes pour les 3 mois, merci beaucoup. Est-ce que je suis prêt pour Elden Ring? More than ever, en vrai. Il y a eu un événement Elden Ring ce week-end, là j'ai vu Tonton y participer. J'ai regardé 2 minutes, j'ai fait, ouais, bah ouais, bah j'ai envie d'y être, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Du coup, RIP Placenta. Bah Placenta avec F, c'est pas trop le bon bail, hein. On va pas se mentir qu'en vrai, j'ai pas trop envie, hein. Aïe aïe aïe, oh la pire salle, oh là là, oh le bazar. Oh le bazar. Oh là là, le bazar. Poussez-vous. Putain, on se retrouve en clutch gaming là, j'ai envie de péter un plomb. Petit cœur bleu là-dedans. Pourquoi j'ai perdu mon cœur bleu aussi? J'étais bien avec mon cœur bleu là. Je me suis fait toucher 2 fois par le boss, c'est vraiment terrible. En plus on a fait un beau learning, en vrai le learning était bien. Le niveau de jeu était présent. Terrible de jouer comme ça. Hein. Et en plus on est en Burning Basement, hein, vraiment. Le truc qu'il fallait pas quoi. Ça lag un peu, non? Attendez, je suis en situation stressante, là. Hein. Situation de stress intense. Le stress est grand. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une Midas Touch. Alors, Midas Touch, c'est bien si on trouve des mouches grises. On peut se faire du pognon sur les mouches grises. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Vu que les mouches grises ne font pas de dégâts. Voilà, par exemple... Là, il faut faire ça. Hop, hop. Petite strat, hein, si vous connaissiez pas. Faut absolument... En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de bombe aussi. Voilà, typical, j'ai pas de bombe. Ah, sa mère. Ça, c'est cool. Il me faudrait une bombe. En fait, il faut que je trouve mon shop, là. C'est important que je trouve le shop. Alors, normalement... Oulala. Oh, le plaisir. Ouais, Midas Touch, quand même, c'est un délire. Je crois qu'eux, ils font pas de dégâts au corps à corps, mais ils peuvent exploser. Donc, on va éviter de les faire exploser, quand même. Hop. Comme quoi, Midas Touch peut être bien, hein. C'est globalement de la merde, mais... Sur les premiers étages, ça sert, quoi. I am full pognon. Merci beaucoup. Bien halas. Oh non, 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 j'ai bien mangé. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Par pitié. Par pitié, par pitié. En ce cas, c'est qu'on a un vrai shop qui nous attend. On espère juste qu'il y ait une machine de reroll et ce serait parfait. Attention à lui, là. Les grises qui tirent des larmes ne font pas de dégâts au cac non plus. Ouais, mais maintenant, les larmes sont tirées tellement vite en hard mode que j'ai un peu peur. Ça devait des cacas dorés avec Icoli aussi, ouais. Ouais, 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 ouais. Non, vraiment, Midas Touch, ça a des petites synergies. Ça peut être bien en fait. Ça peut être bien dans de rares situations. C'est nul sauf avec carte de Gains Humanity. Alors ça aussi ça marche bien en vrai. Blanquette. Nice. Nice blanquette. En vrai ça fait plaisir. Dans tous les cas. On va faire ça. On va blanquette. On va pas acheter la clé, je pense pas. Ah oui, la blanquette refile les points de vie par contre. C'est terrible ça. Hop. Faisons comme ça. Et on va sûrement acheter le sac parce qu'il me faut des bombes, on rappelle. On rappelle qu'il y avait un rocher marqué, du coup il me faut des bombes. On va tester le sac, je pense. Je suis bien avec ma cape, là. La bonne blanquette, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Midas, c'est goldé avec Forgotten V2. Ah oui, 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 ça marche aussi, ça. Ça marche très bien, ça. Ce serait bien d'avoir des bombes. Est-ce que je peux avoir une bombe, s'il vous plaît? Bah non. Apparemment non, quoi. Ah, puis bien, quoi. Bien dans mes fesses, en vrai. C'est lequel? Ah bah, c'est le mendiant des bombes. Non, mais par pitié, en vrai. Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Geminix. Alors, du coup, est-ce que je peux profiter du Holy Mantle, là, pour mettre un coup de Midas Touch, ou pas?
Ou est-ce qu'il faut... Ouais, non, je pense que ça le fait, en vrai. Hein. Si on a envie de perdre le mantle, hein. Le mantle du... de la blanquette, j'entends. Pour faire un peu de pognon. Genre là, il a bientôt plus de points de vie. Hop. Et même, on a même gagné un cœur bleu, quoi. Quelle vie. Je vérifie s'il n'y a pas une petite bombe. Non ! Oh, le con. Oh, mais c'est un con. Dommage. Bah, dommage, en vrai. Zawaludo. On va garder ça. On prend pas de clé. On prend Rin. Et on se casse. On veut de la bombe, bébé. Ouais, donc toujours objectif. Ah, attendez, parce qu'il n'y a pas Mother aussi. Hein. Hmm. Vu qu'il n'y a pas Mother, je me dis, en vrai, là, un petit run Mother, le start est pas si horrible que ça. Enfin, en vrai, on a quoi? On a le pentagramme, quoi. Ça, on peut voir, je pense. On peut regarder. On regarde ce qui se passe. Et au pire, on... Ouais, en fait, c'est vrai que ce qui est un peu con, c'est que je suis pas allé en Devil Deal, quoi. Curse of the Blind. Ah oui, d'accord, ok. Ce genre d'ambiance. On avise si on part Mother. Pinta into blanquette. C'est vrai que la blanquette fait plaisir, en fait. On voit pas le miroir quand on utilise The World. Ah, mais le miroir est juste à côté de l'item room. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt cool. Oh non, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Même pas un petit cœur bleu, Rin. Donc là, normalement, en dessous, il y a le miroir. La salle a pas l'air horrible. Donc on va pouvoir se transformer en The Lost. Oh, je pense que ça se tente, une run Mother. Oh, ça doit se tenter. À gauche. Les large Zit. Bon, c'est pas incroyable, large Zit. C'est pas la folie espérée. Dommage. Aïe, 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 ça c'est pas bien. Ça c'est pas le plaisir, hein. Ça c'est pas le plaisir. Oh là là, j'ai pas aimé cette salle. Alors s'il y avait eu cette salle pour aller voir le... Pour aller voir l'item room, c'était mort de chez mort. Jamais de la vie je faisais Mother. À part avec une carte de TP ou un truc comme ça. Là, ça peut-être se négocier, ouais. Vu qu'on a que la salle à gauche à faire, là. Est-ce qu'on va aller voir la secret room? Je sais pas encore, hein. J'hésite. Je suis en mode pastèque orange cerise, là. C'est vrai que c'est un jeu de droite, hein. Je devrais totalement prendre les items à droite en blind, mais... What? What is this? Ah bon? Moins bien, ça. KO et la bourse de Keeper, quoi. Double item, hein. Double. Putain, j'ai pas vu ça depuis si longtemps. Une salle secrète avec double objet, quoi. Vraiment, ouais, hein. Dur ce boss, très très dur ce boss. Jamais de la vie on le ferait deux fois en forme The Lost là. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Je sais pas si les mouches jaunes font du dégât au contact, j'imagine que oui, non. On va dire, j'en sais rien. Il est dur, il est dur, il est dur, il est méchant, il est dur en affaire. Old Mushroom. Ah bah oui, merde. Après, Old Mushroom avec Eve, c'est bien. Hein. Tu unlock TM Trainer, non, pas du tout. On n'a pas du tout unlock TM Trainer. Là, le bazar, n'empêche. Fait peur, ma Eve, là. Ouais, c'est vrai qu'on a double mantle si on va faire le boss deux fois, hein, vu qu'on a la blanquette, mais... Avec le KO, là, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Ah, la run KO qui s'annonce, là. J'ai un peu peur. Hein. Les affaires sont les affaires, putain, c'est vrai, hein. La petite run Mother KO, ça peut partir en couille. Hein. À tout moment, ça peut devenir fou. Hein. Vu qu'on peut croiser n'importe où, n'importe quoi, tout est KO à côté. Hein. Merci Bobby Lamousse. Tiens, j'ai limite envie d'acheter un truc pour Keeper ça quand même. Oh merde. Oh, cette Black Candle de sortie du cul, en fait. Par contre, j'ai pas de bombe. Aïe, aïe, aïe. Si j'ai pas deux bombes à l'étage d'après, j'ai le seum quand même. Hein. Merci beaucoup à Sura, 5 mois et de 5 chef. Fabios le Prime, Boink pour les 4 mois. Xan, 29 mois de Prime. Skank, 7 mois, merci pour la propagande autour d'Outer Wild. J'ai fini par prendre la phase, merci normalement. On n'a pas les mêmes runs. Oh ça va, vous avez vu la dernière VOD Isaac, vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas les mêmes runs. Je me suis tapé littéralement deux runs horribles d'affilée quoi.
Et on les a essorés, les runs, en mode vraiment, il n'y avait rien à... On s'est fait chier pendant 2h30, quoi. 4 heures de plaisir, la VOD. Hein. J'étais pas là, donc tu mens. Oh là là. Terrible, hein. Terrible désillusion. Ouais. Orage au désespoir. T'as eu une soirée run nul. En vrai, non, parce que je crois que la soirée avait bien commencé avec une run Blue Baby qui s'était bien passée. Tu vends mal tes VOD. Oh non. Par contre, le best-of, incroyable. Le Learning of Isaac, c'est le meilleur qu'on ait jamais sorti. Voilà. Et je sais où vendre les VOD. Ce soir, on fait un bounty sur Lost Ark. Ça va juste être fou furieux. Je veux dire, le niveau de jeu va être dingue. On va jouer avec des pick-up. Toi, t'inquiète que je sais me vendre. Hein. Je sais me vendre. Bon, pas de Midas Touch ici. Je peux avoir des bombes, s'il vous plaît? Une, il m'en faut deux. Aïe! Je vais jouer avec des pickles. Exactement, je vais jouer avec des corniches. Petite corniche, là. T'as la chanson de Simplement Dan dans la tête. Ah, moi aussi, hein. Moi, ça tourne en boucle depuis que je l'ai entendu la première fois. Hein. Si le matchmaking marche, bah, à minuit 30, ça passe. Oui, c'est ça. T'as la queue de Lost Ark ouverte à côté. Oh, à minuit et quelques, je pense qu'il n'y aura plus trop de queue. Mais en effet, je vais essayer de... Je vais essayer de lancer le jeu un peu avant quand même, qu'on puisse faire le bounty. Oh! 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 Tout va bien, je m'auto-digère, c'est normal. Un stream où je ne m'auto-digère pas, c'est pas un vrai stream. Hein. Let's go! Bah voilà! Voilà ce qu'on veut voir! Voilà! Tout est KO! À côté! Ah oh bah les bombes, il me faudrait ça, mais j'ai pas d'argent en fait. Ouais, c'est un best-of avec beaucoup d'informations. Hein. Non mais c'était dur, hein. c'était dur à condenser. Vous voyez, il se passe trop de choses. Oh, on a pas les mêmes chaos, hein, vraiment. We don't have the same chaos. T'as déjà eu un deep pocket plus money égale power. Ouais. La speed, quoi? Quelle speed? Ah, c'est vrai qu'on a eu de la speed, hein, chelou un peu, non? Malaise, le jeu, il comprend pas, quoi. On n'a pas les mêmes KO, hein. Money égale power plus The Mark en deux objets, là. Bon, dans ma God Room, va y avoir quoi? La limonade? Pour compenser? Oh, bah tiens, en parlant de God Room. Attends. Voilà. 97,5%, c'est 0%, on rappelle. Hein. 97,5, c'est 0. Bob's Brain en God Room, là. Bah, vas-y, on va voir. Hein. Allons voir ça. Mega Mogri. Erki en God Room. Oh, putain. Oh, le call d'une vie. Hein. Erki en God Room, là. Un Book of Belial. Ah, ouais. Malaise, un peu. La God Room malaise un peu. Hein. La God Room malaisée. Après, c'est pas grave. On a arnaqué un The Mark. On a arnaqué Money Gale Power. On va pas trop faire la fine bouche, quoi. La sourde oreille un peu. Hein. On prend quand même le morceau de clé, hein, je pense. Ok. Je pense qu'on Book of Belial en vrai. Hein. Je saurais pas dire. Honnêtement, je saurais pas dire. Là, je peux pas prendre les bombes, c'est le seum. Hein. Dire que ça pouvait être ces sections. Ah, mais tous les objets peuvent être ces sections, alors c'est ça qui est fou. Hein. Il faut une emote Evil Shishanjin en négatif. Bah. Ah oui, quand on est déçu des objets qu'on a. On n'a pas une emote pour ça. Genre quand on a un objet pourri et qu'on est déçu. J'ai pas d'emote pour ça. Bizarre un peu. Si, Goobit, bah oui, bah évidemment, on a le Goobit, c'est bon. On a Shish Brain Mine, on a le Goobit. De quoi vous vous plaignez là? On a tout ce qu'il faut et bien plus encore en vrai. Ils sont où les cœurs? Malaise un peu. Là, on a vraiment pas beaucoup de cœurs. Hein. Le Shish Brain Mine, quoi. Que j'ai loupé des gens.
dans le doute, Night Party Plus, quand même, 2 ans de Prime et Zelda pour les 10 mois. Merci, merci. Il est où, mon C-section, là? Et bien plus encore, t'as Denver le dinosaure en tête. Putain, j'ai jamais vu un épisode en entier de Denver le dinosaure. Hein. C'était un dessin animé que je regardais pas. D'un côté, ça passait pas, genre, sur France 3. Je regardais pas trop les dessins animés sur France 3. C'est pas mon délire. Ah si, Jarl Born. 7-18 mois. Merci vraiment pour les 18 mois de Prime. Une petite emote, les mêmes runs. On a les mêmes runs. Y a même pas besoin d'emote en fait, c'est la vérité. Only the truth. Team FR5. Ouais, FR5 c'est pareil, j'ai pas trop regardé les dessins animés sur France 5. Aïe aïe aïe. Oh, ce que j'ai pris, terrible. Ouais, il va me falloir des choses un peu. Hein. Parce que sur le chemin alternatif, on va prendre des tartes si on a juste des stats en fait. Il faut d'autres trucs. Il faut plus de défense, plus d'attaque. Petite partie d'attaque là. Il y en a qui ont dosé attaque sur Horizon ou pas? Genre c'est bien ou pas? J'ai pas dosé attaque. Merci Clemzip pour les 5 mois de sub. Enfin les 5 subs offerts, pardon. Merci pour les 5 subs. Et temps de récompenser le travail. Écoute, 0% mérite, hein, bien sûr. Merci Clemzip pour les 5 subs. Merci Amemos, 3 mois de prime. Attaque les magasins. Non, attaque le jeu de stratégie, là. C'est le risque. T'as imagine, quoi. L'humanité a été wipe. Et les nouveaux humains, ils refont risque, quoi. Putain, quel échec, en vrai. Tu recommences l'humanité. Tu rebootes l'humanité de zéro. Tout ça pour qu'ils redesignent risque. Est-ce que t'as pas envie de péter un plomb, en fait? Putain, tout ça pour qu'ils refassent le Monopoly, tu sais. Oh, j'y crois. Quoi le problème avec Risk? Bah quoi, t'es développeur, hein? T'es le dev du jeu. Oh dommage, la run commence un peu à s'effondrer là. On est sur une pente descendante depuis qu'on a le chaos. Bon, à part qu'on a eu des bons objets, mais... Je trouve qu'on est sur une pente descendante. J'ai peur de la pente descendante là. Ça va. Ça se trouve à droite c'était ses sections. Ça se trouve à droite c'était Sacred Heart en vrai. Hein. On ne saura jamais. Hein. On saura jamais ce qu'il y avait à droite là. Hein. Après damage range up, jamais de la vie j'esquive ça en fait. La run s'effondre. En vrai la run s'effondre un peu. Hein. La pente en question. Bon, est-ce que j'ai eu des retours sur attaque là? So fun, personne y joue, de toute façon personne n'a de PS5, personne n'a de PS5 en vrai. Merci Captain Alpaga, 16 mois, Marmotte, 34 mois de Prime. Sig of Katarina, 3 mois, super nickel et best of, bisous à Tug de ma promo de philo, merci pour tout Reguman. T'as toutes ces dédicaces quoi, merci Milendal pour les 3 mois de Prime. Merci, merci. C'est quoi cette carte? Magicien, putain mais quand je vais devoir mettre des cœurs bleus dans la porte là, ça va être terrible en vrai hein. I don't have hearts, hein. Je n'ai pas de cœur. Une PS quoi? Une PS2. T'as juste fait le premier PNJ, ça a l'air cool. Ah, j'ai pas fini le tuto, moi. Mais tu te fous de ma gueule, arrête. C'est bon, on a compris que tu te foutais de ma gueule, quoi. On a compris que le jeu m'aimait pas, au bout d'un moment. Et genre, tu vas me faire croire que c'était pas là. Malaise un peu, non? Ah. L'or peut-être. Oh, mais s'il te plaît, s'il vous plaît. Si je me trompe pas, tu as loupé ta bombe. Bah, du coup, si. Merci, Snowwack, pour les 2 mois. Le Prime a dormi 2 jours, la bonne soirée à toi. Rebienvenue, des bisous. Les décors et les combats sont pas mal. De quoi de Horizon, enfin, graphiquement, c'est incroyable. Ouais. Vraiment, en fait, je suis tellement bien dans cet univers que c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, en fait. J'ai juste envie de me balader dans le jeu. Plus trop des runs incroyables ce soir, je tilt, alors j'arrête. Bonne idée, en vrai. Hein. C'est un peu le « je pense, donc je suis » des jeux vidéo. Hein. Quand tu tilt, il faut arrêter. Hein. Ce que j'aurais dû faire la dernière fois. Hein. Quand on a relancé une run Eve, c'était con, hein, parce que... Il suffisait qu'elle se passe mal et elle s'est mal passée et j'ai d'autant plus tilté en fait. Si t'es déjà tilté, il faut arrêter en fait, directement.
au moindre signe de tilt, faut faire autre chose en fait. Un autre jeu, quoi que ce soit, arrêter de jouer aux jeux vidéo pendant la soirée, je sais pas. C'est le pire truc à faire de jouer tilté, hein. Un reset. Ah non, no reset. Faut accepter qu'il y a des soirées sans, quoi. Moi, j'ai du mal, mais... Oh, les araignées enflammées qui mettent la pression un peu, là. Faudrait un Pidgeys. Pidgeys serait fou. Enfin, il serait moins fou parce qu'on a quand même... Ils m'ont fait peur, putain. Ils m'ont fait peur, les cons. Il serait moins fou parce qu'on a plus le rasoir pour s'enlever les cœurs rouges. Comment je vais aller les taper, eux, là-bas, là ? Mais venez, venez ! Vin ! Hein ? Ça, c'est incroyable ! La chatte, la chatte, la chatte ! Merci, merci, le chaos ! Le chaos m'a bien halas ! J'ai bien mangé ! Bah bien halas, j'ai bien mangé. Merci Fuse pour le Prime. Toshumila, 11 mois. Dead Ravioli pour les 4 mois. Bisous au toutou. Dalia pour les 3 mois. Le Prime dort jamais. Et Gold Joker pour le Prime. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous. Rebienvenue à toutes et tous. Oui, il y a une nouvelle match de Vampire, mais j'y joue plus à Vampire. Je sais pas si vous avez vu. Je ne joue plus à Vampire Survivor. Parce que c'est bon, le jeu. On a fait 20 fois le tour en vrai. On attend la 1.0. Tintin. Mais c'est dingue parce que le public Twitch est toujours autant addict. Alors qu'en vrai, enfin, je sais pas, moi j'attends de voir la 1.0 du jeu parce que le jeu, j'ai l'impression de la retourner dans tous les sens en fait. Ça hypnotise, ouais, je pense que c'est ça. Spoiler, demain il lance une game. Ah, spoiler, je peux t'annoncer que demain je vais jamais lancer une game de Vampire. Hein. Je peux t'annoncer que demain je vais bien jouer à Horizon toute la journée. Et que je vais lancer à peu près 0 game de Vampire. Et ce, pendant un bon bout de temps, ouais. Après, c'est peut-être mieux à regarder qu'à jouer. En fait, non, je pense que vous avez raison, parce que quand je vois Eterna faire une run, j'ai tendance à être un peu hypnotisé. Ouais, en fait, c'est pour vous, quoi. En fait, vous pensez vraiment qu'à vous, quoi. Non, non, en vrai, je pense que c'est mieux en tant que viewer qu'en tant que joueur, parce que en tant que joueur, bah, j'ai l'impression d'avoir tout vu du jeu, en fait. Le jeu commence à bouger vénère. Bah tant mieux, tu vois. Mais plus il bouge, plus je serai content de le découvrir en 1.0. Alors que si je me spoil avec toutes les mises à jour toutes les semaines, quand le jeu va sortir en 1.0, je serai juste burn-out du jeu, en fait. Je serai en mode, bah ouais, j'ai tout vu, quoi. Super. C'est le meilleur choix que j'ai jamais fait, c'était de ne pas suivre l'Early Access d'Hades, en fait. On y a joué au début, puis on y a pu jouer, et c'était ma meilleure décision ever, en fait. Merci Gold Joker pour le Prime. Je crois que je l'avais dit, je sais plus. 100% commu, 0% streamer. Ouais, ouais, 0% bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, on a notre couteau, on a ce qu'il faut, gazon. Mais ça m'ennuie pas, hein. Non, le jeu m'ennuie pas, hein. C'est un bon jeu, Vampire Survivor, c'est trop bien. Mais, bah, je sais pas comment dire, quoi. C'est comme si j'avais l'impression que toutes mes games d'Isaac étaient les mêmes, en fait. J'ai besoin que le jeu ait ses nouveautés, et je sais que c'est un dev tout seul. Je suis pas en train de dire, quoi, oh, mon dieu, on se fait chier. Je suis pas en train de dire ça, hein. Je suis en train de dire juste, si j'attends, mon expérience sera meilleure. Donc j'ai aucune raison d'y jouer en fait. C'est comme Have a Nice Death, tu vois. On va tester l'Early Access, mais à tout moment, la meilleure strat pour Have a Nice Death sera de ne pas y jouer avant la 1.0 après. Vampire machin, c'est pas un peu Cookie Clicker 3? Pff, ouais, je sais pas, hein. Je pense que c'est pas la même chose en vrai. C'est le même genre d'addiction, mais en termes de ce que tu fais dans le jeu, ça a rien à voir, je trouve. Merci Icariam pour les 9 mois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh oui, du pognon pour Money Egal Power là. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Après, c'est un peu dommage de pas voir des shops. Oh oui.
de pas voir des beaux shops chaosés là avec des items de Godroom en vente et tout. Ça me met un peu le seum. J'ai la même sensation sur Neon Abyss, j'adore regarder les streams mais pas y jouer. Ouais, Neon Abyss c'est devenu très vite répétitif aussi, mais oh, j'ai passé un très bon moment dessus. Je me rappelle qu'on avait passé un bon mois de juillet sur Neon Abyss. Les extensions de Graveyard, oulala. Un jour on relancera une save Graveyard Keeper. Ça c'est pareil. Vu qu'ils sortent des extensions tous les ans, je préfère attendre. En plus, à chaque fois qu'ils sortent une extension Graveyard Keeper, c'est full buggé, mais vraiment, genre... À chaque fois qu'ils sortent du contenu sur Graveyard Keeper, faut attendre au moins un mois avant que ce soit patché. Parce qu'il y a des bugs dans tous les sens. Hop. Merci Kataplas pour les 53 mois. Lunar, 2 mois. Seoljiu, 2 mois aussi. Bonsoir, monsieur Sheyu. Icariab, 9 mois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En plus, oui, c'est vrai que j'ai la couille de Keeper pour dépenser mon pognon, moi. J'ai oublié cette histoire. Wouh, wouh. Terrible. Elle est magnifique, cette salle. J'avais jamais vu. Infernax, j'ai adoré. Hein. Ça aussi, j'ai bien hâte de continuer. Malheureusement, j'arrive pas à me couper en 4 encore. Du coup, bah... Ça attendra parce que là j'ai la prio sur Horizon et Elden Ring, mais on le finira, celui-là il est trop bien. Je tire pas en continu, je mets vraiment des petites larmes comme ça, hop. Plus facile. Super. Après je pourrais dépenser du cœur rouge, hein. Y'a rien qui m'interdit de faire ça là, devant mon café noir. Hein. Histoire d'essayer de choper un peu de Pawnlar. Le Pawnlar Express, lui pareil, là, j'ai pas mal de clés en vrai. Hein. Devant mon café noir. Or. Or. Ah, ça, moi, on l'oubliera pas. Hein. Et ça fait 1. Tot, 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 tot. Par contre, maintenant, ça met tellement de temps à spawn un cœur bleu en vrai. Devant mon café noir ou sur le trottoir. Alors vas-y, donne des clés là. Enfin donne des coffres. Aïe aïe aïe, bah meurs. Tu m'as saoulé, Bats. Relique, c'est combien de salles? Bah je sais pas, mais c'est plus qu'avant, j'ai l'impression. Bah on le sait que c'est plus qu'avant, mais là je le ressens vraiment quoi. Est-ce que je pense le finir avant Elden Ring, Horizon? Ah, je sais pas, hein. Ça va être compliqué. Hein. En fait, le problème, c'est que si je joue vraiment comme je joue, c'est-à-dire en mode 100%, bah non, on n'arrivera pas à finir avant vendredi, je pense. Mais si on commence peut-être au milieu de semaine à faire des sessions où on joue la quête principale, on pourra peut-être au moins finir la quête principale en stream avant Elden Ring. Et du coup, après, je ferai le 100% de mon côté, j'en sais rien, mais... Il est pas accessible le cœur rouge là, qu'est-ce qui se passe? Si, il est accessible. C'est bien long maintenant, c'est de 7 à 8. Ouais. Est-ce que je reprendrai DD2 à la sortie 1.0? Ah oui, oui, bien sûr. Bah, Darkest Dungeon 2, c'est une de mes plus grosses attentes. Hein. Mais ça, c'est pareil. J'ai aucun intérêt à y jouer pendant l'Early Access parce que je serais que déçu en fait au moment de la 1.0. Mais je connais par cœur en fait. À la sortie 1.0, ils vont te rajouter un donjon, une cutscene, et puis tu vas faire « Ah bah yes, bah voilà. » Ouais, en fait, j'ai fini le jeu, quoi. Dance Death Revolution 2, il voulait dire. Oh, let's go. J'aimerais trop faire des streams de ça. Ok, on est quoi? On est à Gehenna 1. The Horny Boys. The Horny Boys, c'est un peu le chat Twitch, tu sais. The Horny Boys, là tu joues à Witcher 3, tout le monde est là. Oulala, on a vu ATT! On a vu ATT, tu vas te faire ban! The Horny Boys. La blue map. Let's go. Cœur blanc. Cœur blanc, ça m'intéresse pas, hein, vraiment, dommage. Pourquoi j'ai pas tué le mendiant pour plus de chance là, hein? Quelle erreur! J'aurais jamais dû faire ça. Hein.
Bon, par contre, niveau pognon, on est bien. 91, là, il se fait bien plaisir, le Monégal Power. Je m'attendais pas à une run avec autant d'argent, honnêtement. Je pense qu'on va mettre une bombe là. On va mettre une bombe là. Hop, hop, hop. Angman. Hop, hop. Justice. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et bah on va se casser, je pense, gentiment. Prochain étage. On a bien notre couteau, on a tout ce qu'il faut. Devant le café noir, quoi. Je check la curse. Ouais, avec Angman, on pouvait checker la curse pour un demi-cœur. Oui, 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 c'est vrai. On pouvait checker la curse pour un demi-cœur. J'y ai pas cru. Je l'ai pas senti, la curse, là. Oh là là, oh là là. Ah bah ouais, elle est bien, cette salle. Crac, qu'est-ce qu'on prend du plaisir. Avec Tainted Lost là, miam miam miam. En vrai, Tainted Lost Mother, je pense que c'est un des objectifs les plus vénères aussi. En termes de RNG, il y a tellement de salles horribles. Les serveurs Lost Ark stop à minuit, fais gaffe pour le bounty. Quoi? Comment ça, ça stop à minuit? Tous les. Quoi? Ils peuvent pas me faire ça! C'est dégueulasse en vrai. Et ça rouvre à quelle heure? Salle à deux coffres avec Angman. A plus de jeu. 6 heures pour Meko. Et l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déco. Le chat en sueur. Vous allez tous être déco. Maintenance de 120 minutes à minuit. Ah oh bah super. Super. Ils voulaient me payer pour faire un truc et finalement ils veulent plus quoi. Ah, on faudrait y aller à 23h. Mais y aller à 23h c'est beaucoup trop tôt quoi. Envie de péter un plomb en vrai. Puis y aller à 2h du mat c'est non quoi. Ta-da-da-da-da. À 120 minutes à minuit, c'est ciao. Hein. Surtout qu'ils sortiront jamais de leur... sortiront jamais de leur délire. Hein. Ah, puis si je lance une file d'attente maintenant, c'est dead. Hein. Oh, je sais pas, j'en sais rien. Mais pourquoi j'ai pris deux fois? Il y avait un truc par terre? Pas vu. Tatin. Sachant qu'il y a 7k de Q. Bah super. Bah génial, bah c'est mort. Bon, on fera plus tard dans la semaine, hein. On le fera pas. Le bon bounty, ouais. Mon bien halas, en vrai. Dilu, 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 dilu. 3 fois la même pilule, ouais, mais je pense pas la jouer, honnêtement. Strength. Est-ce qu'on préfère Strength ou Empereur? C'est pas clair. Lui, on pourrait le nourrir, mais je pense qu'on va prendre les chances de DD. Putain, de maintenance, quoi. Pense au gulp. Ouais. Il faudrait penser au gulp, ouais. Sauf qu'on le joue que quand on a PhD, en vrai. Cœur bleu, j'achète, ça c'est sûr. En vrai, on va quand même claquer 2-3 rerolls, je pense. Guppy high, let's go. On peut choper un Guppy assez facilement quand on a KO, normalement. Duality, ok. Des bombes en feu. Montezuma, revanche, c'est non. Bah voilà. Let's go, merci le KO. En KO, il y a quand même énormément de chances de choper des objets de Guppy parce qu'en fait, ils sont dans beaucoup de pools différentes. Ta 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 ta. Oh, du cœur bleu, let's go. Il y a même une TP. Non! Ça, c'était pas voulu. Euthanasien. Ta 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 ta. Akel Dama. Ouais, ça se joue, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Curse of the Tower ou Spin to Win. Ok. Après, dans le titre, il y a écrit un bounty, t'as pas dit Lost Ark, c'est vrai. J'ai pas à dispo des milliards de bounty. Merci Yolonix pour les 32 mois de prime. Non, en vrai, c'est con, c'est que je passerai pas la queue en une heure, là. Il faudrait que je passe la queue en une heure, mais je la passerai jamais en une heure, en fait. Bah, soit après, faut que je regarde, en fait, jusqu'à quand je peux le faire. Attendez, c'est chiant, parce qu'en plus, si je le fais pas, du coup, j'ai des pénalités pour les prochains bounty, en mode, peut-être, on me reprendra plus, on me les proposera pas. Expire le 23 février. Oh là là, mais putain, mais la maintenance qui casse les couilles. Expire mercredi, quoi.
Chier. Me font chier. Oh, c'est au pire, je stream la file d'attente. Hein. Rien à foutre, moi. Hein. Y a qu'à avoir des serveurs dispo. Hein. Tat. Ok, donc les cœurs bleus, ça va spawn de toute façon. On a le build. Je pourrais continuer à roll la machine, mais je pense qu'il faut que je continue à avoir un peu de pognon maintenant. Non, à 23h, on passera pas une queue de 7000, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Merci B52 pour les 10 mois de prime. Ah. Je refais un perso sur EU West, plutôt crevé, mec. Plutôt crevé que de refaire un autre personnage. Ok. Plutôt mourir. Bah super. On prend le damage. On prend le cœur bleu. Un petit coup de couteau. Et c'est parti. 7-4, tu les fais en un peu moins d'une heure. Non, pas en soirée. Pas du tout en soirée. Les gens, ils quittent pas le jeu en soirée. En journée, 7K, ça se fait assez rapidement, mais là, non. C'est l'heure de pointe. 7K, là, il te faut 1h30, 2h pour les descendre, je pense. Tatin. Brrr. 1h30, je dirais. On prend le cœur bleu, je pense. Il y en a même deux, en fait. Un et demi. Bon, cette run, elle est finie. Hein. Au suivant. À la suivante, quoi. Au suivant. Je veux la suite. On est trop bien. Est-ce que j'ai fini Keeper V2? On a fini Keeper, du coup on a débloqué Keeper V2, mais on n'a pas encore joué Keeper V2 en fait. Ma corps, c'est les sales ambiances. En fait, tout le chemin alternatif, c'est les sales ambiances. Et c'est pour ça que genre un truc comme Tainted Loss fait trop peur. Parce que bah trop de mauvaise ambiance en fait. Baf. Pa-poua-poua-poua. Empereur card, let's go. Let's gong. On garde ça évidemment. Vas-y, Rage Lodge pour les 22 mois de prime, des bisous. Une run sans vraie synergie sur les larmes, c'est assez rare, je trouve. Bah, en fait, oui. Mais tu vois, genre là, ce serait pas un exemple de cette run-là, encore une fois, parce qu'on a au moins Euthanasia. Mais c'est vrai que les runs sans aucune synergie de larmes, sans aucune, comment dire, sans aucun effet de larmes, c'est les plus rares et c'est les plus nuls. Et c'est ce qu'on a eu deux fois d'affilée la dernière fois, en fait. Pour avoir les Tainted, tu tapes point exclamation perso, il y a un tuto. Shultana, tu vas la poser combien de fois la question? Tu vas spammer combien de fois la question sur le chat? Fois. Bah je sais pas, mais là on est sur une bonne streak en vrai. Hein. Oui. Je l'ai dit 20 000 fois qu'on va continuer à faire Nax, mais je sais pas quand. C'est valable pour beaucoup de jeux. Et généralement quand je sais quelque chose, je vous le dis. Je sais que demain je joue à Horizon Forbidden West, et ça c'est pareil, je l'ai dit beaucoup de fois. Mais Infernax, je l'ai dit, redit, oui on continuera, je ne sais pas quand. D7, D8, je sais pas si je l'ai touché, je crois que oui.
Dans tous les cas, on est bien. Allez hop, en vrai c'est une belle run Mother hein. Belle run Mother, merci Battlebean pour le prime, des bisous. Lala. Ouf. Oh, les bons dégâts en vrai. Les bons dégâts. Infernax, c'est un nom que t'aurais pu trouver. Bah, j'y ai pensé, hein. Infernax, c'est vraiment du ski j'attire en termes de naming, hein. Ah, j'ai perdu mon mantle. Dommage. Allez, ça dégage. La suivante SVP. Merci Azu pour les 6 mois de prime. Ah bah là, oui, là on est... Moi, je suis déjà sur la suivante, là. Je suis déjà run suivante dans ma tête, là. Aïe! Le fard Brebby protège pas des larmes. Bah si, pourquoi? Tu savais pas ça, mec? Cringe, un peu. Let's go. Bon, ça se passe mieux que la dernière fois. Ouais. Merci Alphada pour les 2 mois de prime, des gros bisous. Merci, merci. Hop, Birdcage. Birdcage, quoi. Ok, du coup, Eve, il nous reste Mega Satan, quoi. The Lem, Mega Satan, on espère que ça passe. On est à 495 succès, on peut potentiellement en débloquer 3 d'un coup. Let's go. Dans ce cas-là. Sinon, tu... En vrai c'est sur YouTube. Vous regardez... Quand vous avez le doute sur est-ce qu'on a continué un jeu ou pas, vous allez voir sur YouTube et vous verrez. Oh. Bon, je veux finir Eve. Comme ça, après, il reste que The Lost. Et peut-être que je serai chaud pour lancer un The Lost. Hein. En vrai, de vrai. Parce que c'est soit ça, soit des challenges, soit des persos tainted. Donc, déjà, faisons notre run Mega Satan. Ouais. Il reste des challenges de ouf. Ouais. Il reste v'là les challenges, mais surtout qu'il reste que des challenges vénères. Mais au moins, Ultra Hard est déjà passé, quoi. Un petit clown, comme ça. Tu as tous les Tainted sauf The Lost. Ouais, exactement. On a fait tous les The Beast sauf The Lost. Il reste Back Sword qui va être full random. Speed aussi, hein. Speed est totalement full random, hein. Tu as fait les challenges ou tu fais le jeu depuis Mega Satan? Non, du coup, Back Swords, on l'a pas fait du tout. 2 de diamant. Oh, c'est bien ça. On veut le cœur bleu en early comme tout à l'heure. On est encore sur une run God Room, on rappelle. Hein. On veut faire Mega Satan. Merci Benzer pour les 46 mois. Alphana, je l'avais dit, je crois. Merci beaucoup dans tous les cas. T'as fou arnaqué Red Redemption hier grâce au Trinket Curse Penny, c'était bien drôle. Ah oui, Curse Penny te permet de te déplacer en ramassant des pièces, c'est ça? La goat, ouf. Après le full joke, je crois pas qu'on l'ait fait non plus. Tiens. Oh, je le prends en vrai. Hein. Je le prends totalement, notre petit champignon là. Et qu'on va avoir encore plus de damage. La 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 la. Dun 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 dun. Tiens. Oh dommage. Qu'est-ce que je vais faire d'une boule de bandage? En vrai, la boule de bandage, on peut toujours l'utiliser pour potentiellement choper une Box of Friends après. Sur Box of Friends, on est content.
Merci Enera pour les 5 mois. Enera, sortait du cratère avant que je bouche le trou, quoi. Merci beaucoup. Des bisous. La 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 la. Non. La la li. T'as du coup on va devoir faire la coupe Wario plutôt que prévu quoi. Pas la coupe Wario, au secours. Si, enfin oui, vive la coupe Wario bien sûr. Vive la coupe Wario. Dadadi, oh non. Oh non, putain, la coupe Wario. Oh la punition quoi. Pas de Lost Ark, pas de coupe. Pas la coupe Wario. Vivement Horizon quoi. Même pas le droit de faire mes raids en vrai. Putain, Amazon ils m'ont regardé, ils m'ont dit pas le droit au raid. Pas le droit de jouer avec des pick-up. Ok, donc j'ai le pognon pour acheter le cœur bleu et ça c'est une bonne nouvelle. T'en as combien de coupes Wario? J'ai fait la max moi. Donc là cette semaine c'est genre la 24 ou la 25. Ça va, la run est bonne. Ça c'est une bonne run en vrai. C'est plutôt une bonne run de commencer avec Ceremonial Robe, ça fait plaisir en vrai. Pas les mêmes runs. Hein. C'est la 24e je crois cette semaine. 24, 25, je sais plus. 24. Et pas de lélélé. Ah bah oui, ça s'est déjà vu du lélélé en deuxième partie de soirée, je crois pas. Hein. Ok. Méga Satan, donc. Faut juste que tu skippes pas ton DD cette fois. Bah si, justement. Si, il faut que je skippe le Devil Deal. On part Godroom, là. On part Méga Satan, je rappelle. On part Méga Satan, on a toujours pas fait Méga Satan avec Eve. Ah si, bien sûr, il faut que je skippe DD. Ouh, j'avais fait une autre erreur la dernière fois, je sais plus. 8 de dégâts, étage 2. Bon, après, c'est Eve, hein, calmez-vous. Après, c'est vrai qu'on a eu 3 objets, on a eu 3 damage up. Quoi. Ça fait plaisir. Ok. J'ai pas de thunes, donc je pense que je vais aller là. En vrai, lui, il fait plaisir. Le premier stream de Lélélé, c'était une deuxième partie de soirée. Ah, sûr que non, ouais. Ah, quoique. Ah oui, non, peut-être sûr que oui. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais lancé, j'étais full malade. Ah oui, mais c'était le jour où j'avais envie de bégère. Ah bah, c'était le jour où j'avais le Covid. Bah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on avait lancé Witcher 3 à cause du Covid en fin d'année dernière. Fin 2021. Quel plaisir, en vrai. Vu. Et t'as vu mes bombes ou pas? Commencez pas. Vu qu'ils me disent. Vu. Ah bah, pas de bombe. Ah bah dommage. Maintenant on a une bombe, maintenant on va y aller. Il est pas nul ce bébé. Et alors tu le laisses derrière toi? Tu lui dis non? Tu lui dis qu'il a pas le droit au bonheur, il a pas le droit de jouer avec nous? Interdit. C'est un détail les bombes. Oui, oui. Bon, pour les rochers marqués, de toute façon, si tu tapes ta tête assez fort sur ton clavier, tu peux casser un rocher marqué, en vrai. Hein. C'est juste que la technique est un peu plus compliquée. Hein. Dix balles. Du coup, maintenant, shop, en vrai. Le shop est intéressant maintenant qu'on a 14 balles. Hein, 14 balais à dépenser. Merci Daxiled pour les 6 mois de prime vu. Ok, cœur bleu, carte. Bon, on va prendre les deux en vrai. Hein. On va prendre The High Priestess. On va prendre un cœur bleu. C'est une technique ancestrale, exactement. Quev, il est là pour la coupe Wario. Bah, Quev, il attend. Mais comme les autres semaines, il va faire un petit dodo à minuit et demi. Il va louper la coupe Wario. Et ce sera terrible. Hein. Merci à Diae pour les 6 mois. Aujourd'hui, j'ai découvert Mars. J'ai perdu une belle run, je commence à streak le prime pour activer le Shishangine, vive le champion. Mars terrible. Hein. Mars coup dur, hein. Vaut mieux avoir Jupiter que Mars en vrai. Hein. Quoi, ça arrivait une fois. Comme d'habitude. Non mais je dis ça. Je dis ça parce que ce serait vraiment trop dommage de louper la coupe Wario. Je sens que cette semaine elle va être folle. Je sens que ça va être une semaine de folie niveau coupe Wario là. Squeezie.
On prend les cœurs bleus, bien sûr. On va pas en Devil Deal, bien sûr. Et c'est parti, en vrai. Quelle belle run. Merci, j'ai un achat pour les 2 mois de Prime. Merci, merci. Ça va être comme sortir de son vaisseau sans combi dans Outer Wilds une fois égale toujours avec vous. Bah ouais, mais c'est le problème, c'est que t'as été le premier. T'as été l'instigateur. C'est comme Gotos avec Vampire Survivor, quoi. T'as lancé une mode. En sortant de ce vaisseau sans ton calbar, t'as déclenché la mode. C'est comme le Rin. Hein. T'as fait une fois une faute d'orthographe et depuis c'est une emote. Hein. Enfin une faute d'orthographe, une faute de frappe quoi. Une faute de frappe, une emote. Non mais Dithrine. Hein. Tu utilises Rin dans ton langage? Bah moi un peu aussi des fois, mais sur d'autres mots, genre c'est bin. Ça devient la mode de s'endormir devant la coupe Wario. Bah de fait. De fait, je suis sûr qu'il y a plein de gens maintenant, le dimanche, ils s'endorment devant les Run Isaac, et le lendemain ils se disent « Non, putain, j'ai fait une couève, mais j'ai pas vu la coupe Wario. » Je suis sûr qu'il y a vraiment tellement de gens qui doivent se dire, qui doivent être déçus de pas avoir vu la coupe Wario, vraiment, mais... Combien de gens doivent se dire, mais merde, j'ai loupé cet événement, enfin, genre, là... Enfin, il y a des trucs, tu vois, il y a dans la semaine, là, ils se disent, mais putain, mais... Il y a Garou Goobit, machin, mais il y a la coupe Wario, quoi, enfin... Isaac du dimanche, enfin, tu loupes Isaac du dimanche, t'as rien loupé, en vrai. Moi, je me réveille en sursaut pendant la coupe Wario. On se demande bien pourquoi, en vrai. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Hein. Optique cœur rouge pour Curse Room. Aïe aïe aïe. Ah oui, l'optique cœur rouge pour Curse Room. Hein. Par pitié. Je sais pas. Maintenant que tu l'as dit, j'ai plus envie de le faire. Hein. Par pur esprit de contradiction. Booster pack, je l'achète, ça va. Alors c'est vrai qu'on risque de le faire, hein. Les Curse Room, c'est bien. Mais j'optie beaucoup moins quand la run est bonne, en fait. À chaque fois que les runs sont bonnes, ça donne pas envie de full opti. T'en as pas besoin, en fait. T'as pas besoin de ça pour que la run soit pétée. Oh là, si on avait le A+, ce serait fou. Merci Kiwi, le oiseau, pour les 5 mois de Prime. Mon Prime dormait comme les serveurs Lost Ark. Les serveurs Lost Ark, quoi. Putain, ils reboot à minuit, quoi. Pile à l'heure où je devais faire un truc dessus, quoi. Merci Eagle Mopra. 2 ans. Vous avez du plaisir, des bisous. Les chicots. Je suis en train de perdre mes dents, quoi. T'as fait double strike au bowling à tes premiers lancers de Switch Sport. J'espère que c'est ça qu'on appellera une couve à l'avenir. Putain. C'est bien Switch Sport ou pas, hein? C'est la folie. Bon, je confirme que j'avais zéro time ce week-end pour jouer à Switch Sport. Hein. Lost Ark m'a tué, hein. Un petit Forbidden West à 23h. Non, non, demain, la journée Forbidden West. Non, mais aujourd'hui, on joue à Isaac comme convenu. Et puis alors, on devait passer sur le Stark, on passera sur la coupe Wario. Et puis voilà. Hein. Ça répond grave mieux que j'aurais cru. Merci Rekirin pour les 15 mois de Prime. Des bisous. Bon, le petit cœur rouge, là. Où est-ce que le cœur rouge, surtout? Là. Eve qui est tout de suite beaucoup plus lente en 1. Hein. Hop. Voilà. On est bien content d'être passé. Le bowling c'est un BR, faut jouer à 16. What the fuck? Et du coup c'est confirmé, il n'y avait pas le badminton. Terrible quoi. Terrible de proposer Switch Sport sans le badminton alors que c'est le main event. Les VOD d'Horizon seront sur YouTube. Ouais. Elles seront sur YouTube, ça arrivera. Horizon, demain, ça vaut le coup de pas avoir son année? Non. Aucun stream ne vaut le coup de ne pas avoir son année.
Va chercher ton année. J'avais un Ace of je sais plus quoi. Oh, je dois avoir un Ace of Clubs quelque part en vrai. C'était pas une question. Ah merde. Si le stream Elden Ring. Non, même pas en vrai. Elden Ring, on va bien se marrer, mais y a rien qui justifie de perdre son année. Quoi. Même pas Silksong. Hein. Même pas Repentance. Une fois que t'as ton année, après t'es tranquille pour regarder tous les streams. Hein. Ah, mais j'avais pas pris de dégâts depuis tout ce temps. Eh hey, ma Godroom, elle est où ma Godroom? T'es censé voir les scripts PowerShell, je sens que le stream sera calé sur un écran. Non mais oui, mais voilà, mais à la limite, si c'est pas trop important, voilà, vous mettez le stream sur un écran et puis vous regardez Horizon avec moi. On regarde le flim ensemble. Mais si quelqu'un doit faire un partiel, réviser pour quelque chose et tout, en vrai, loupez pas votre année pour un stream. Quoi. Je sais qu'il y a beaucoup d'ironie là dans tout ce qu'on dit, mais je me dis que des fois ça doit arriver que des gens se disent « Oh putain merde, il stream l'après-midi. Oh, tant pis, allez, je regarde. » Alors qu'en vrai, c'est terrible. Non! Bon bah en fait, regardez. Regardez et loupez votre année. Apparemment, le jeu veut que vous loupiez votre année. Non, je viens de balancer, selon moi, des Words of Wisdom, des paroles de sagesse. Et finalement, je perds moi plus, donc je sais plus quoi vous dire, je sais plus quoi penser. Loupez votre année, par pitié. Sombrez. Sombrez donc. Regardez tous mes streams en x0.25, histoire de vraiment perdre un maximum de temps, quoi. Vous les regardez sur Twitch et sur YouTube. Bah, vous voyez, on est récompensé en plus. Words of Wisdom. Tiens. On a une boule de bandage. Hein. Tout ça à cause du PowerShell, une coïncidence. Un PowerShell, il donne pas envie. Hein. Tain, 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 tain. Du, 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 du. Oh, bah regardez, mais loupez votre vie pour mon stream, quoi. C'est le jeu qui le dit. C'est pas moi. 1% de chance. C'est pas moi qui le dis, hein. Bon, après, on a eu plus tôt. Tain, tain, tain. Consommer le contenu sans aucune modération, bien sûr. Consommer la coupe Wario. Bon, ça, non, peut-être pas. Ouais. Non, la coupe Wario, en vrai. La coupe Wario, main event. Le meilleur item de Planétarium. Entre la lune, le soleil, Terra. La lune, le soleil, Terra, tout ça c'est très très bon. Mais ça doit être Terra le meilleur. Mais la lune et le soleil aussi, ça renvoie du steak. Hein. Ça envoie grave du steak. Saturne est très fort, mais je pense que c'est le tiers du dessous. Bah de toute façon, allez voir la tier list. On a fait la tier list au jour de l'an, là, Noël. Et je suis tout à fait d'accord avec moi-même, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez consommer cette tier list sans modération, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Neptunus est très très haut aussi, ouais. Neptunus, c'est du tiers de Terra, je pense. Peut-être un... En vrai, ça se discute. Mais pour moi, Neptunus, c'est peut-être juste en dessous de Terra, mais de pas loin, quoi. Neptunus, c'est du tiers de Saturne. Quel vendeur de VOD exceptionnel. Bon, surtout que c'est une VOD exceptionnelle. On a fait trop de tier list en un seul stream, c'était dingue. Je sais même pas comment j'ai fait en vrai. Bah, j'avais le Covid, comme d'hab en fait. Première fois qu'on avait fait une tier list, on avait le Covid. Deuxième fois, on avait le Covid aussi. Tous les objets, sauf que cette fois, on a fait aussi tous les boss, tous les ennemis. Et encore autre chose, tous les personnages. Opticurse Room, pitié. Encore? Non mais là, je vais garder mon Lump of machin, là. Ah, j'ai une bonbe, heureusement j'ai une bombe, la vie de moi, que si j'avais pas de bombe, là je pétais un boulon.
Ok. Bah de toute façon on va aller en Curse Room avec le... Avec le Unicorn Stump et puis merde. Hein. Ça fait quoi Godhead? Godhead ça fait des larmes God en fait qui ont des auras de dégâts autour d'elles. Et elles sont homing aussi. Je sais pas combien de temps j'avais mis à faire le... Le Dead God j'ai mis 180 heures à le faire. Mais je suis parti d'une game 1 000 000%. Je sais pas combien de temps j'ai mis à... Si on met bout à bout hein, 1 000 000%, etc. Je sais pas combien de temps. Aucune idée, je sais pas. Rebirth, j'avais dû mettre 90 heures. Afterbirth, à peu près pareil, je pense. Donc on est proche des 200 heures. Afterbirth plus, ça devait être 80 heures. Et puis voilà, quoi. 180 heures sur Repentance. En blind. À chaque DLC, un truc comme ça. Devil Beggar. Il y avait un Devil Beggar, pas vu. Une run à 1 000 000%. Ça veut dire que j'avais déjà tous les succès. En fait, à la sortie de Repentance, j'ai pris une run qui était... Enfin, une save qui était full succès, quoi. J'ai pas commencé de zéro quand j'ai joué à Repentance. J'ai commencé avec une save qui était complète. J'avais juste la nouveauté à faire, quoi. Bon, maintenant, il faut une deuxième God Room, par contre. Hein. Pas de prank, hein. Zéro prank si possible. On a plus de Zikmu. Hein. On a plus de Zikmu, mais est-ce que ce serait pas... plutôt qu'il passe à travers tout le monde, là. Complète était la save. Reviens, petit oiseau. J'ai envie d'écouter un truc, mais qui est pas sur Spotify. Donc, merde. On va se démerder autrement. Allô ? Allô ? Oh ! Vous vouliez dormir, c'est mort ! Doucement, doucement, doucement. Merci à toi pour les 7 mois. Et de 7. Doucement, doucement. En tout cas, ce soir, on passe les 500 succès, hein. On est bien parti pour. Hein. Bon, plus ça va, plus il reste des trucs horribles, mais... On va commencer à clear des trucs horribles. Hein. On a déjà commencé. Hein. Ah, si on a déjà réveillé des gens à 22h30, je suis désolé. Hein. Mais la soirée ne fait que commencer, là. On est même pas à 1h30 de stream, là. Tu es musique de Taehan? Pas du tout. Le perdu a été débloqué, ouais. Bah, je me demande si on va pas faire un peu de perdu ce soir, en fait. Un peu de The Lost, là. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il y a des trucs que je voudrais encore débloquer pour The Lost? Je sais pas. Bah, je pense qu'à un moment, faut y aller. On a jamais lancé une run The Lost, là. The Lost, Greedier, boum, direct. Balade. Ah, le problème, c'est que si je joue The Lost, je vais tellement débloquer le Isaac Sartre que ça va me faire chier, ouais. Petite run perdu. Ah, Dicey Dungeon n'est plus sur Spotify. Oh, les optis sont grandes, mais pas les récompenses en fait. Les optis sont là, les récompenses sont pas là. Des contenus non officiels, oui j'en ai déjà fait, bah notamment Antiburst. Hein. Il y a un Noël aussi, on avait fait, comment ça s'appelait là, je sais plus. Avec Bertrand. Hein. On avait fait le contenu avec Bertrand, là je sais plus comment il s'appelait ce mode. On a fait des trucs comme ça. J'ai pas unlock Isaac Sart? Bah je crois pas. Hein. Je crois vraiment pas. Hein. Oh! Let's go trouver un deuxième planétarium là. Let's go consommer mon contenu over les cours. Oh ça fait pas de dégâts la boule de bandage. Oh le malaise.
Oh, le grand malaise. Pas besoin d'aller là, hein, je sais pas ce que je fais. Les 100 derniers secrets sont difficiles à obtenir. Bah, tout dépend ce que t'as déjà débloqué, mais ouais, nous ça va être difficile parce qu'il y a quand même quasiment tous les personnages V2 qu'on n'a pas fait. Les dégâts, la vitesse. Bon, la vitesse, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on préfère. Bloody Crown n'est pas mieux. Ah, Bloody Crown, c'est bien, mais je sais pas, j'ai envie de tenter un deuxième planétarium là. Enfin, je sais pas combien de probas ça me donne pour le deuxième planétarium. On est à 10%, un truc comme ça. Hein. Après, je peux en avoir un dans le monde. J'ai pas de clé. Qu'est-ce que je branle? C'est 15% en tout. C'est pas 16 du coup? Mes chances de planétarium là, elles sont passées à 0, mais grâce à ça, je remonte à 15. 15 avec ce trinket. Tu peux en avoir un deuxième avec ce trinket, oui. Si t'as déjà eu un planétarium mais que t'as ce trinket, tu peux en avoir deux. Et tu peux l'avoir aux bombes aussi. C'est vraiment un trinket incroyable pour les planétariums, ça. Tiu, tiu. Je sais plus ce qu'il y avait au shop. Vous me dites qu'il y avait un truc bien au shop, ça me rappelle rien, moi. Vu que ça conserve les chances et ajoute 15. Ah oui, il y avait ça. Ah, mais le problème, c'est que je vais y aller, il va y avoir Sacred Heart et je vais avoir le seum. Ça va. Ah, pour une fois que ça va, en vrai. Bon, on n'a pas moyen d'influencer les chances de Godroom. On n'a pas moyen de faire ça, de voler des chances. C'est un peu dommage. Du coup, si j'ai du Devil Deal qui pop, je vais avoir le seum, quoi. Ça permet que le Planetarium spawn dans Corpse aussi. Ouais, mais Corpse, enfin, c'est qu'une version alternative de Womb, en fait. Donc c'est pareil, quoi. C'est comme la Bloody Crown. La Bloody Crown qui te donne des items room dans le Womb, elle te donne des items room à Corpse. Ça dégage. Eye drops. Pourquoi pas? Putain, je suis en train de tout faire tomber là. On vise méga Satan là. Là, on est en train de viser méga Satan. Le truc, c'est qu'il nous faut un deuxième spawn de Godroom ou alors on va devoir se retrouver à jouer les sacrifices et je suis moyen chaud en vrai. Elle est pas belle cette petite gourde, quoi? Qu'est-ce qu'elle a ma gourde? Qu'est-ce qu'elle a ma gourde? Oh, j'avais Agalaz aussi. Oh, y'a du cœur! Pourquoi elle est pas belle ma gourde? Quoi ma gourde? Dans ma gourde, je peux consommer le café noir. Hein. Je peux me poser devant mon café noir. Ceux qui ont bailli aussi, levez la main. Moi, ils sont très communiqués. Voilà! Merci! C'est parti! Oh, Jupiter, par contre, pas envie de Jupiter. On va quand même vérifier s'il n'y a pas un cadeau ou un truc comme ça. Sinon on va sous l'off Isaac, mais je veux déjà vérifier qu'il n'y ait pas une troisième, c'est possible. Je sais pas, honnêtement. Je sais pas si tu peux en avoir techniquement à tous les étages quand t'as le trinket ou si c'est juste une deuxième fois et après une fois que t'en as deux, il t'enlève toutes tes chances. C'est promis, je loupe mon année du coup, oh merde. Ah bah oui, le World of Wisdom. Après ça va, on a eu Jupiter, hein, calmez-vous. C'était pas non plus la folie. Jupiter into Mars et vous êtes obligé de réussir votre année en fait. Hein. Si on a Jupiter into Mars, ça c'est terrible. Hein. Jupiter c'est mieux. Ah, c'est mieux que Mars bien sûr, oui. Hein. Tous les jours en fait. Hein. Le problème c'est que c'est pas mieux que de claquer un reroll par contre. Donc si j'ai moyen d'avoir un reroll, j'irai sur le reroll en fait.
Imaginez les gens qui vont louper leur semestre à cause de Lost Ark. Imaginez les gens qui vont louper leur semestre à cause de Elden Ring. Il mérite. Ah, c'est vrai que c'est mérité. Hein. Non, je sais pas. Moi, j'ai failli louper un semestre à cause de Diablo 3. Heureusement, c'est pas arrivé, mais je sais pas. Est-ce que je méritais vraiment? C'est plutôt que j'ai eu plutôt exactement. La Soul of Lilith qui me donne un Cube of Meat. Incroyable, c'est rare situation où t'as Cube of Meat et boule de bandage en même temps. Quel plaisir. Venus. Non, HP up, putain, j'avais oublié ça. Après, Venus, c'est bien, mais... Bon, on va garder ça. Parce qu'avec ça, on a plus de chances de tirer des dents. Mais là, je viens de perdre beaucoup de damage. Il me faut une God Room. Par pitié. Et il me faut un moyen de virer mes cœurs. Item Room, le rasoir. Ah oui, let's go. Let's go, Blood Rite. J'avais oublié qu'il y avait ça dans l'étage. Merci à vous. Merci, Dragofus. 14 mois, des gros bisous. Merci, merci. Pas si ouf les items planétarium en fait. Ouais voilà, c'est en demi-teinte quoi. Réussir son année, pas réussir son année. Le jeu est pas totalement d'accord en fait. Pardon. Atteindre un nombre d'orbitaux où juste les larmes te touchent plus. Meatball plus bandage plus Halo of Fly. Oui totalement. Bah surtout avec Bethany hein. Avec Bethany quand t'as plein de flammes autour de toi. As-tu regardé le learning hein. Plus te faire toucher. En tout cas, par des larmes. C'est pour ça que les flammes se cassent, comparé aux mouches, qui sont invincibles, mais qui peuvent encore laisser passer certaines larmes. Oh, je suis en pleine digestion du risotto, là. Risotto d'orzo, on a mangé ce soir. Hein. C'est des graines de courge. Il y avait des graines de courge. Je suis en train de digérer les graines de courge. Allez, on lève les bras pour la God Room, là, par pitié. Par pitié, on veut une God Room. God Room or Riot, quoi. Oh, ça fait plus de dégâts, ça. Oh là là. God Room or Rito. Ouais. Oh, ta mère. Putain, ça recommence, quoi. Ça recommence. Le jeu recommence à casser les couilles. Merci, Loïc Olic, pour les 4 mois de Prime. Gaken, 7 mois, je suis plutôt trop sur le stream en ce moment. Vive la phase PO. Et plus trop, du coup. Merci Captain pour les 8 mois. Mais en tout cas, merci de resub. 8 sur 137 mois avant le Dead God sur la ligature de Hashish et vive les Faritas. C'est bien vrai ça. Et merci Solision pour les 10 mois de Prime. Elle veut pas, à chaque fois. À chaque fois, Eve, elle veut pas avoir de God Room. J'ai envie de péter un plomb, quoi. L'objectif de la run, c'est Méga Satan. Et The Lem. Et surtout Méga Satan. Enfin, surtout les deux, en fait. Quoi. Ça peut encore arriver. Alors, tout peut arriver, hein. Je sais bien que F qui esquive la God Room, c'est RP, mais... Non, non, non. Par pitié, non. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis bien, hein. Je me suis rendu invincible en plein milieu, j'étais bien. Tu peux avoir deux fois le A+, non. Une fois par run. Oh, le caca arc-en-ciel, ça aurait mis fin à tous mes espoirs. Hein, ouais. Trop bien d'être invincible sur les salles de piège, hein, c'est une folie en vrai. Hein. Une pure soirée de folie qui donne envie de danser. Oh, ça fait être terrible. Regardez les damage. Oh, les damage. Boule de bandage, le carry ultime.
Arrête, bah non, c'est trop. 12% de chance, quoi. C'est trop. C'est trop de foutage de gueule, j'en peux plus. Putain. Vas-y, Eve va jamais faire Méga Satan parce que juste le jeu, il se fout de ma gueule, en fait. J'allais te péter un plomb, c'est pas possible. Même avec une Godroom garantie, elle pue toujours la merde, quoi. Ah, oh, je suis tilt pour 10 runs derrière, là. Je voulais jouer The Lost tranquille. Du coup, je suis déjà au bord de l'anévrisme, en fait. Le jeu qui se fout de ma gueule, putain. Ouais, je me retrouve à full clear comme un bimbin pour aller chercher les sacrifice rooms, là. C'est vrai que c'était qu'une chance sur deux, hein. Merci Dova King Store pour les 3 mois et Zombie Doctor pour les 7 mois. Bah ouais, mais c'est bien de donner ça, mais Nick. Donne les vrais trucs. On a déjà fait une run inutile sur Eve. Hein. Si je dois en faire deux. Il y a déjà eu une run la dernière fois sur Eve qui n'a servi absolument à rien. Zéro objectif, zéro succès, que dalle. Allez, j'ai besoin de ça. Bien. Bien, bien, bien. Ça, on pourra tout de suite voir si Utero 2 est sympathique ou pas, quoi. Oh là là. J'ai perdu la speed, mais pour avoir quoi? Merde, j'avais le tir rate. Ah, quelle erreur. Putain. Merci Dams pour les 4 mois de Prime. Il a dormi un peu le Prime. Pas de souci. Des bisous. Bon, bah, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, mais... Ah, il me faut une Godroom, là, par pitié. On va lever les bras comme jamais, là. Il faut une Godroom. I need a Godroom, une Erki. Hein. Une Godroom ou une Erki? L'un ou l'autre. Merci à Raccord pour le Prime, des bisous. On se lève pour Danette là, s'il vous plaît. Ça part mal, ça part mal. Ça tourne mal. Merci Relo. La bafanade de la Godroom. Hein. Merci, merci. On s'est bien fait bafanader par la Godroom, en effet. Hein. Ça s'est très bien passé, ça. Wouh! Même à 1.20 de shot speed, j'ai l'impression que les larmes sont lentes. Ouais, bah c'est à cause du... Hein. On a rejoué le match aussi, pourrait être bien. Hein. C'est à cause de la stopwatch, ça. On a rejoué le match, là, quelque chose pour influencer là-dedans, là. Oui! Alors ça, c'est bien. Oh, on vole 3%. Oh là là. 3% seulement. J'ai volé 3% de chance dans de Godroom. Enfin, de Devil Deal. J'ai volé 3% de chance de Devil Deal pour aller en Godroom. On a des news sur le dessin. Quel dessin? Tu veux que je te dessine un mouton, Steph l'ours? J'ai pas la ref du dessin, hein. Je sais pas de quoi on parle. Hein. Un reroll consommable. Le quoi? Le dessin? Je sais pas de quoi on parle. Zéro news sur le dessin, zéro news sur le mot interdit. Dessine-moi de la codéine.
Putain, la codéine, c'est fini, hein. Finito, la codéine. Incroyable. Ok. Et là, une salle secrète avec un ange dedans. Allez. Allez, on lève tous les bras. It is time. It is time to believe. On y croit. C'est maintenant. 26%, c'est 100%. Il va me donner un Devil Deal, je le sais. Hein. Je le sais déjà qu'il va me donner le troisième Devil Deal à 10% d'affilée, là. Une chance sur 1000, on est parti. Allez! Allez! Yes! Let's go! Attends, il n'y a plus qu'à remettre les serveurs Lost Ark et c'est parfait. C'est bon. On a réveillé tout le monde. Oh, putain, Breath of Life. Waouh. Attends deux secondes, là. Attends que je me pose un peu. Jifu. Ah, je peux mettre un badge Jifu, là. Ouais, en honneur de cette God Room, tu sais quoi? Je le garde. En honneur, je le garde. Je suis un fou. Merci Luxy pour les 29 mois de Prime. Mokev qui remet 5 subs. Des gros bisous. 5 subs. Merci la Marthe pour les 2 mois. Après, c'est Isaac du dimanche. Hein. Si vous venez le dimanche, attendez-vous à ce que ça gueule un peu. Hein. Merci Tival pour les 6 mois. Découvert pendant le confinement depuis tes monstres préférés. Si tu veux, je t'envoie un dessin, moi. Chichreguman, Chichlurking. J'ai pas de boîte postale pour vous m'envoyer des trucs. Je suis désolé. Tu peux me l'envoyer par Discord. Tu peux me l'envoyer en photo. Si tu veux faire un dessin. Merci Guitou pour les 5 subs. Offert à la commu. Tu peux me l'envoyer en NFT. Merci Orlandou pour le sub offert à Paul Stato. Si vous avez reçu un sub, n'hésitez pas à remercier Mokev, Guitou, Orlandou. Là, le moment qu'on a passé en stream, on aurait pu en faire un NFT, vous voyez. Ta-da-da-da. Vendu 100 millions d'euros, tu vois. On peut baisser les bras, maintenant je fatigue. Ah c'est bon, on pourrait... C'est fini. Il peut en avoir. Blududum. Ok. Oh, 26% quoi. On a un call à 26% qui est passé là. Il connaît pas le truc des moments sur Twitch. Mais j'ai accès à ça. Vous voulez que je crée un moment là? J'ai pas accès à ça, je crois pas. Hein. Attendez, je vérifie si je peux créer un moment. Mais je crois que je peux pas créer de moment. J'ai pas la bêta. Hein. Gérer les récompenses, gérer les offres, lancer un quad stream. Plus. Capturer un moment. Créer des clips, des moments spéciaux en stream et rendez hommage aux spectateurs qui étaient présents avec un badge commémoratif. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous voulez que je teste ça? Ajouter. Capturer un moment. Modifier vos moments après votre stream. Accéder à la page moments. Vous avez 5 moments à immortaliser ce mois-ci. Vous voulez que je crée un moment là? Mais c'est de la merde! J'ai pas accès à ça, je crois pas, hein. Attends, je vérifie si je peux créer un moment, mais je crois que... Attends, mais genre, le moment, il aurait fallu que je le crée direct juste après, mais ça casse l'immersion totale, c'est à chier. Plus, capturer un moment. Créer des clips, des moments spéciaux en stream et rendez hommage aux spectateurs qui étaient présents avec un badge commémoratif. Mais c'est à chier, genre, il fallait que je... Vous voulez que je teste ça? Bah, c'est en bêta. Mais c'est nul! Mais c'est nul! Du coup, je peux pas vraiment capturer le moment de tout à l'heure. C'est trop tard, en fait. C'est trop tard. On n'était pas là, en fait. J'étais là. La capture d'un clip du moment a échoué. Un problème est survenu. Bah, désolé, mais c'est de la merde. Tes modos peuvent. Bah, ça pète l'immersion, en vrai. T'es là, il se passe un truc stylé en stream. Et t'es en mode... Oh, capturer un moment. Faites-le vite avant que le clip soit pas le bon. Non, mais please, quoi. Mais je crois qu'on peut gérer... C'est écrit qu'on peut gérer les moments après le stream. Donc peut-être après, je... Non, mais non, on va pas demander. Non, les modos, ils ont déjà assez à faire. Ils sont payés l'équivalent de 0€. Je vais pas leur demander de capturer des moments. Hein. Je vous le dis tout de suite. T'es à l'hôpital, Steph Lourdes, mais qui s'y passe ?
Merci Spliff Wagon. Merci pour le Prime. Merci Guitou, qu'offre un sub à Mokoquin. Alberto, 9 mois de Prime, hop le bébé. Xeliro, 6 mois, petit dessin de Godroom. Merci Zaldric pour les 5 mois, let's go le moment. Et Dark Magian pour les 8 mois. J'ai pas compris le truc de moment, hein. Vraiment. J'ai cliqué dessus et ça m'a pris un clip de ce qui vient de se passer 2 secondes avant, donc c'est-à-dire le fait qu'on parlait des moments. Et je pouvais pas aller chercher le moment intéressant, tu vois. Le Jifu. Alors vous étiez là quand la Godroom, on a levé les bras, tu vois. Non, j'ai pas pu aller chercher ça. Capturer moment pour mieux jouer à Fall Guys. Ah, et promis, j'irai voir après le stream si je peux pas le faire à rebours, en fait. Genre, si je peux pas finalement faire un moment à rebours. Mais je vois pas comment je vois pas comment l'application se rappellerait de qui était là, en fait. Normalement, tu peux après. Bon, écoutez, je le ferai après. Je vérifierai après. Je me rajoute cette tâche. Narrateur, il ne le fit point. Oh non, mon cœur rouge. Bien sûr que si, je le ferai. Oh non, mon cœur rouge, non. Bah, on prendra un Devil Deal, hein, c'est pas grave. Maintenant qu'on a la clé, on s'en fout. Hein. Donc, Steph Lourd, c'est pour les danses, hein. Soutine, hein, j'ai pas lu. J'ai pas pu voir, attendez. J'ai dodged le message. Hein. C'est où Steph Lourd, Steph Lourd. Enfin, il serait temps que j'ai un vrai écran pour le chat, c'est terrible. Hein. Je vois pas. Non, le diabète. Oh. Ah, tu fais des tests. Comme diabète, quoi. C'est un peu plus que les dents. Chiant, diabète. Tu esquivais sans regarder. Bah si, mais à 30 degrés, tu vois, comme ça. Les tests sont concluants, j'ai un diabète. Oh. Après, le diabète, maintenant, c'est genre assez bien pris en charge, non? Genre, c'est chiant. Tintin. C'était quoi tes symptômes? Qu'est-ce qui t'a fait dire que t'avais le diabète? Merci Doofy pour les 1 an de Prime. J'étais là. Bastenix, 3 mois de Prime. Je rentre de vacances et je retrouve le Prime endormi sur le canapé au milieu des boîtes de pizza. Merci beaucoup. Ça dépend le type. Ouais, c'est vrai que ça dépend du type. T'as pas du tout suivi le Discord de Fanny. Bah non, bah non. Il sentait plus ses jambes. Hein. Ah oui, d'accord. Ta-ta-da. Ah, ici. Bah écoute, prends soin de toi. Hein. En vrai, viens plus sur le live. Hein. C'est déjà trop de pression ici. Hein. Il lit pas le Discord. Non mais je... Plaignez-vous à Amazon, là. Plaignez-vous à ceux qui ont balancé Lost Ark en Europe, là. J'en peux plus. En plus, je peux même pas faire mon bounty. Merci Ronglon pour les 3 mois de Prime. Nikutop pour les 22 mois, j'y fus, même si c'est pas officiel. Hein. Et Bonfire pour les 4 mois de Prime. Des gros bisous. Maw of the Void. Je crois qu'on l'a jamais pris, non? Je sais plus. Oh, je prends tout, tu sais quoi. Le Absolute Madman. Et merde, merde. Imaginez, je fais jamais... Imaginez, je fais jamais Méga Satan parce que je prends trop de tartes. Le Giga Yankli. Quoi? Vas-y, développe un peu, là. Tot, 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 tot. J'ai yanklisé les DD. Oh, j'ai yanklisé les DD. On n'a pas Genkidama pour rien. Bah, je sais bien, mais... Faudrait que j'arrête de perdre des cœurs comme une merde, en fait.
C'est bien Vénus quand même, hein. Sur ce genre d'ennemi, c'est parfait en vrai. Hein. Avec la carte qui, oui, leur moins de 30 jours. Il me reste quoi en perso de base? Après Eve, il me reste The Lost. Et puis Rin. Bah oui, mais oui, mais merde! Il veut pas mourir parce que j'ai pas de damage. J'ai 10 de damage avec Maw of the Void et voilà mes dégâts, quoi. Maw of the Void, je sais pas. Hein. Je sais plus, je suis confus devant Maw of the Void maintenant. 2 de spades. J'ai pas les points de vie, hein. J'ai vraiment pas les points de vie. Bah, il va m'arriver des dingueries, je vais pas avoir les points de vie pour le faire. Hein. Il va me tomber sur la tête là. Il va me tomber sur la gueule. Nice, on a les points de vie. On a officiellement les points de vie. Non mais, c'est pas pour refaire de la merde. Ta-da. On aurait pu poster des dingues depuis Lost Ark sur le Discord. Non. J'ai peut-être pas lu le Discord de Fanny, mais j'ai lu un peu chez nous, là. Après, chez nous, j'ai beaucoup lu le canal de Meporg, du coup. T'avais envie de faire The Lost V2 en premier, histoire de faire le plus dur directement? Non, non, pas trop, non. Non, vraiment pas, non. C'est pas trop l'ambiance, là. Après, le fait que le jeu soit ralenti, ça diminue mon DPS aussi. Hein. Si le jeu est moins rapide, du coup, je fais moins de dégâts. Bon, ça, c'est fait. Allons-y. Giga Yankli. T'as yanklisé, Ben? On n'a pas eu la réponse, là. C'était pourquoi il y a quelqu'un qui disait Giga Yankli? Dis-nous, là. J'ai envie de yankliser un peu là. Envie de yankli. Parce que tu joues à Lost Ark. Oui, oui, bah oui. Bah évidemment. Mais j'ai hâte, hein. J'ai hâte qu'ils sortent des skins, hein. J'ai hâte qu'ils sortent des jolis skins que j'yanklise, hein. Je vous le dis comme je le pense, hein. J'ai très très hâte de mettre 50 balles dans des skins, hein. Tadam. Hâte que la boutique marche, hein. C'est vrai. C'est vrai que la boutique, elle est un peu cringe, hein. En vrai, on a reçu des belles récompenses. Hein. Le pack starter pour avoir joué la première semaine, le fait qu'on ait eu un deuxième gold pack là. Je me suis mis Gucci hier avec tout ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres là. Moi en tant que joueur Halo Infinite, same. Putain, mais Halo Infinite, mais en vrai, c'était tellement bien jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait ils allaient jamais faire de mise à jour. Alors Halo Infinite, une saison, 20 mois, voilà, bah tu dois jouer 20 mois sur les 6 mêmes maps. C'est le meilleur jeu du monde, mais bah y a pas de contenu en fait. Dommage. Halo Infinite, mais pas infini de contenu. Y a pas de contenu en fait. Dommage. J'ai mis 150 heures dans le multi en un mois ou deux, et puis bah depuis y a plus rien quoi. Les mêmes cartes à l'infini, quoi. C'est ça. Halo Infinite, même map. Alors que c'est le meilleur jeu, en vrai. Quelle indignité. Faudra attendre la 2.0 du jeu pour pouvoir s'amuser sans se lasser, quoi. C'est Halo borné, en fait. Ouais. Halo majoré. La campagne était bien. La campagne, elle est bien. Hein. Mais moi, c'est le multi qui me plaît dans Halo Infinite. C'est le multi, mais... Ils sortent le jeu, ils disent dans 6 mois, on fait la saison 2. Sauf qu'on savait pas qu'entre la saison 1 et la saison 2, ils allaient rien faire, en fait. Quoi. Honnêtement, c'est trop maigre, quoi. Alors, je sais bien que quand il y aura la saison 2, il y aura la forge, il y aura la campagne en multijoueur et tout. Mais enfin, à ce compte-là, pourquoi on a pas sorti le jeu dans 6 mois, quoi? Enfin, fallait le redécaler, quoi. La boutique aussi qui est dégueulasse dans Halo Infinite. Tu peux pas acheter de skin, tu peux pas bien personnaliser tes armures. T'es optimiste que ce soit pas décalé la forge? Ouais. En vrai, c'est terrible. Hein.
C'est ma déception en termes de jeu suivi, de jeu à... de jeu service, Halo Infinite, c'est ma plus grosse déception, je pense. Genre vraiment, j'ai l'impression que genre le jeu est abandonné pendant 6 mois, quoi. La forge, c'est ce qui permettra aux joueurs de créer des maps, partager des mini-campagnes, etc. Faire des mini-jeux, une sorte de mode un peu sandbox, quoi. Jeu service, pas des services. Merci Kilag pour le Prime. Bonfire pour les 4 mois, je sais pas si je l'avais dit, mais merci. On l'a Noited, bah tant mieux. De Black Lipstick, ainsi qu'un bébé, Lil Baby, ainsi que War Baby pour avoir tout fini avec. 498. 498 sur 637. Bon, il est temps d'attaquer les choses sérieuses. Hein. On a fait tous les persos au max, sauf The Lost. Il est temps d'attaquer les choses sérieuses. Hein. Il est temps de jouer un vrai post-it, là. Le seul vrai post-it de tout cela. Hein. Ah. Commencer avec un petit gridilleur, moi je sais pas. Hein. Je sais pas si j'ai envie d'un gridilleur. Hein. Et en même temps, je l'ai pas teasé le The Lost. Je l'ai pas tease. J'ai pas dit ce soir on joue The Lost, tu vois. Et ça c'est terrible. Alors qu'on pourrait dire mardi je joue The Lost. Tu vois, genre tout se passe bien. Merci le Beskit. Parce que j'ai pas envie qu'on me dise quoi, t'as joué The Lost, j'étais pas là, t'es pas prévenu. Merci pour les 6 mois. T'as Holy Mantle, c'est easy. Non mais c'est pas la question. Hein. Grid du plaisir. Un méga Satan classique. Go Gridier, on sait tous que tu vas le faire. Vous voulez qu'on fasse un Gridier là? Ça débloque quoi Gridier avec The Lost? Alors on peut tenter le Gridier, mais je pense qu'on va se taper une mort à mon avis. Hein. Bon vas-y, on fait le Gridier. Et comme ça après on touche pas à The Lost avant que je dise on rejoue The Lost et genre on peut faire une soirée The Lost genre mardi tu vois. Non je pense qu'on fait Gridier. On fait Gridier et ensuite on joue des persos V2. Mais comme ça on aura fait un petit The Lost ce soir quand même. Da-da-da. J'ai de l'input lag. No joke. Ah non mais c'est à cause de... Ok, deux seringues. C'est à cause de cette saloperie de stopwatch là. Pas de damage en start, hein. Terrible un peu. Hein. Est-ce qu'on peut appuyer sur le bouton du milieu gratuitement? Je me rappelle plus de ça. Genre là, si je me fais toucher derrière, le bouton du milieu est gratuit ou il me tue? Est-ce qu'il faut le faire en prévention? C'est ça la question. En gros. Je me rappelle jamais si c'est préventif qu'il faut le faire. Ou si ça passe. Ça t'enlève des pièces, ouais. Mais c'est gratuit, du coup. Bon, si c'est gratuit, c'est moi Lyoncli, quoi. C'est ça que vous allez me dire, hein. J'aurais jamais 15 pièces direct. Oh là là, c'est pas beau ça. Hein. C'est pas très beau ce que je suis en train de voir là. Hein. Tu vas te barrer, oui. Non mais c'est toujours pas fini, oh là là. On est à 7 vagues. Tad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 
On va commencer sans un damage up sur The Lost, le Greedier, c'est... Ouh, c'est technique un peu. Hein. Ah mais c'est toujours pas fini. Bah oui, putain, on est en Greedier, quel con. Putain, je m'attendais pas à la dernière vague, heureusement qu'elle était pas horrible, parce que putain... J'aurais dû calmer le jeu depuis bien longtemps, en vrai. Hein. Tot, tot, et voilà. Et du coup, j'ai pas 15 pièces. Envie de péter un plomb. Est-ce qu'on aura 15 pièces si je prends la clé? Parce que là, le Saint-Oeil, il est obligatoire. Mais si je prends la clé et que je vais au shop, est-ce que j'aurai 15 pièces juste avec les boss? C'est oui, hein. Je crois que c'est oui, hein. Je crois qu'à chaque fois, on a 15 pièces. Ah ouais, c'est un bon starter, en vrai. Ah oui. Et là, si j'appuie sur le bordel, par contre, j'aurai pas les 15 pièces, on est d'accord. Ah mais là, je suis un peu dans la merde, en fait. Double monstre rouge... Double monstre rouge, c'est vite fait en vie, quand même, hein. Puis ils m'ont mis ça, là, en plus. Genre vraiment pour le plaisir, quoi. Oh, le plaisir de faire semblant de temps en temps. Oh là là, la non-envie, là. Oh là là là. Et one dead, two dead. Lui, faut pas trop le tuer en vrai. Faut pas tout de suite quoi. C'est lui qui aurait dû tout prendre depuis le début en vrai. Le plaisir en vrai. Only plaisir. Damage range up. Merci au Ropotor pour les 200 bits, le plaisir du The Lost. Oh. Oh la vache. Oh là le bazar que c'était, n'empêche les doubles boss là. C'est un sale objectif Greedier avec The Lost, non? On sait 10 fois pire avec Tainted Lost, mais c'est quand même très très sale. Hein. Mais tu vas mourir un jour, putain, mais j'en ai tellement mis plein la gueule, quoi. Et il meurt pas, ok. Mec, je lui ai tout mis et jamais il crève, en vrai. Est-ce qu'on va jouer Devil Deal? C'est la vraie question. J'aurais tendance à dire qu'avec The Lost et Tainted Lost, faut jouer Devil Deal pour la simple et bonne raison qu'il y a Sulfur. J'ai débloqué Sulfur, hein. Je crois que oui. Avec Tainted, t'as better item, hein, ouais. Après, la méta Godroom est très bien aussi, hein, mais... Il y a aussi Damocles, c'est vrai. Lump of Coal. Hein. S'il y a un monde où je prends pas Lump of Coal, en vrai... Je pense pas. Hein. Y a pas de monde où tu prends pas Lump of Coal, je pense. Et le Dead Cat. Mais y a le Dead Cat aussi, hein, bien sûr. Hein. Non, mais en vrai, y a plein de trucs bien en Devil Deal, y a plein de trucs bien en Godroom. Hein. Bon, maintenant, on est parti Devil Deal, quoi. Broken Heart aussi, ouais. Sacred Heart tombe tout le temps. Oui, bah oui, vu qu'on a le dé éternel, mais... Blood Clot est bien, en vrai. On a des pièces pour aller directement à l'item room. Latchkey. On sait pas où cet étage, par contre, en termes d'objets, ici. Anémique.
Je tente un reroll de anémique. Ah, des bons rerolls en vrai. Mmh, ça fait bien plaisir. Oh, tous ces cœurs, what the fuck, en vrai. Anémique, c'est 0 sur 20. Bah, anémique avec The Lost, il me semble que ça fait rien. Hein. Ça manque de shot speed cette histoire un peu là. Ça donne peut-être de la range quand même. Je m'en rappelle jamais. What, j'ai pas tué l'ennemi là, vraiment. Je sais bien que c'est un élite, mais quand même. Plus on a de range, plus c'est bien quand même de jouer Lump of Call. En fait, on joue Lump of Call parce qu'on va avoir, on va avoir Brimstone, quoi. Et quand on aura Brimstone, on sera content d'avoir Lump of Call, on fera des gros dégâts grâce à ça. Oh là là, les bombes. Oh là, non plaisir des bombes. Après, heureusement, elles sont intervenues à la fin, en vrai. Waouh. De speed up, size down, GB bug. Merci Tunak pour les 6 mois. Déjà 6 mois, merci pour tout le divertissement, l'apprentissage. Je me motive à aller chercher le Dead God. Merci beaucoup. Merci Alcarius pour les 10 mois de Prime. Merci, merci. Après, en vrai, ça se joue GB bug, mais... Oh, le troll absolu du jeu, là. Ouais, la speed, c'est bien aussi, mais... Tu veux pas des pièces d'or quand tu meurs, toi? Apparently not. Ça, ça va. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Ouais, Sulfur, là, ce serait juste fou furieux. Hein. Sulfur, ce serait insane. Hein. C'est comme ça qu'on avait fait Tainted Lost, hein, c'était avec Sulfur. Hein. On avait perdu une fois, et la deuxième fois, c'était passé. Quoi. Il nous faudrait aussi un truc pour escape, genre, je sais pas, moi, une rune... Sulfur plus Brimstone. Ouais, même pas besoin, parce que comme tu recharges le sulfure en faisant les vagues, ça se fait tout seul, en fait. Ouais, bah je pense qu'on sait ce qu'on prend, ouais. Hein. Je pense qu'il y a no way qu'on prenne pas Lusty Blood. Est-ce que je reclaque un reroll ici? Je pense pas. Merci Tequila pour les 500 bits, merci pour le contenu. J'ai commencé à suivre la chaîne avec la nouvelle save et je m'en lasse pas. Merci, merci. Anémique tous les jours, mais je les reroll anémique. Est-ce que je tente le coffre, je pense. Des bombes? Pourquoi pas, en vrai. On a rarement des bombes. Lusty Blood ou Bloody Lust, quoi. Merci beaucoup, Tequila, en tout cas. Mettre une bombe là. Ça donne envie de claquer un roll, quand même. Hein. Mais bon, on peut claquer le roll au prochain étage, c'est rien, ça. GB Bug respawn à chaque wave, c'est un mini D20, je sais. Hein. Mais j'ai peur de reroll des trucs que j'ai pas envie ou de m'apporter des troll bombes, des trucs comme ça. Le stapler, ouais. Oh, faut là les clés, hein. Petit raid tous les jours. Mini mush. En vrai, je le prends. Pop, 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 pop. Et là, la question, c'est est-ce qu'on coffre jaune ou pas, quoi. Est-ce qu'on stapler? Est-ce qu'on tarot de cloth? Tarot de cloth peut être très bien. Bah, je pense que je stapler ici. Ok, bien ça. Ok, pas mal, pas mal. On a fait de la value là-dessus. Mais j'aurais dû commencer par là, je pense. Stapler, ça ferme pas un œil. Si, mais c'est pas grave ça. On n'a jamais vraiment eu de moment où c'était chiant en fait.
Ah par contre c'est Dank Depths là, hein. Putain le plaisir. Oh, le Steel Blood qui fait un taf monstre. Il me donnait tellement de damage en 1. Oh ça va si vite. Oh là là, t'as tellement pas le time en vrai. Faut un truc qui fait du dégât de zone. Hein. J'ai tellement no time. Faut des larmes perçantes, un petit truc sympa là. Les vagues elles vont à la vitesse de la lumière en vrai. Hein. T'as pas le time. Hein. Par contre maintenant je peux plus claquer mes rerolls sous peine de perdre mon bonus damage de Lusty Blood quoi. Et j'ai vraiment pas envie de le perdre parce que à côté de ça ma run est pas folle en termes d'interaction sur mes larmes. J'ai vraiment besoin de mon bonus damage là. Putain, la dernière wave elle est horrible. Hein. On va casser ça comme ça me pètera pas à la gueule. Bon je suis focus sur la run hein. Désolé si c'est quand on joue The Lost. Ce genre d'objectif il faut être focus. Hein. Jacob Ladder. Bah là, Jacob Ladder serait fou. Hein. Il y en a deux. Il est tout seul. Il m'a fait peur. Je crois qu'il y en avait deux là. Je suis en mode ça va, on est adepte. Tu me mets deux monstres aux deux là. Rouge, régal rapide en plus. Je fais le jeu. Tu veux bien que tu me détestes, mais. Peut-être pas non plus quoi. Enfin, le dégât, il est pas là. Hein. Enfin, les stats sont là, mais... Il nous faut des interactions. Il faut qu'on profite de cette stat de damage sur quelque chose d'autre, quoi. Ok. Double Lust. Faut jouer avec le décor, bien sûr. Important. That's insane. Bon, on sera pas sauvé par le Dead Cat sur Tainted Lost. Mais sur Lost normal, ça fait bien plaisir quand même. Hein. Ah! Ah! Est-ce que j'achète Stye? À une époque, ça mettait les pieds sur la table. À l'époque, je mettais le genou, mais bon, là, c'est quand même un grid mode, quoi. Après, il y a une chance de revoir un jour le Witcher. Mais il reviendra le Witcher, t'inquiète pas, Osprey. Ainsi pour les 6 mois. Si vous aimez les jeux comme Witcher, demain on continue Horizon toute la journée. Problème, pas de sous. Putain, la RK, on n'a pas l'argent, hein. C'est dommage. Hein. Mais bien sûr. En vrai, on a tout le temps le Dead Cat, c'est ma signature, j'y peux rien. Hein. Moins chaud pour ça, mais je vais le prendre, je pense. Pour être sûr de couvrir toute la map. Un booster pack là. Le booster pack c'est obligé en vrai. Voilà, voilà pourquoi. Oh oh oh. Putain, un étage trop tard. Oh là là. Aïe aïe aïe, tout le monde va me sauter à la gorge. Me dire mais chiché you tu triches, c'est pas possible. En vrai celle-là elle est honteuse. Elle est honteuse. Je n'ai aucune honte. Oh je prends. Hein. Oh je la prends la run. Hein. Je la prends. C'est pour moi. Tu triches, c'est pas possible. Mais merde. Après je vous dis, voilà, faut pas ignorer la puissance. Il faut jamais ignorer la puissance du booster pack en grid mode. Il ne faut pas l'ignorer. L'avez-vous déjà ignoré? Moi, je ne l'ignore pas. Pouette. Et ouais, mine de rien, malgré ça, regardez-moi tout le bordel sur lequel on peut se retrouver quand même. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Là, il y a un œil en plus en bas, là, je le sais. Donc à tout moment, il peut me laserifier si je descends un peu trop. Ah bah non, il y avait qu'un œil en... Ah, peut-être que j'ai tué l'œil sans le vouloir, en fait. Avec les rebonds. Qui n'est pas mort, là.
Ah oh bah yes. On va perdre une vie, ça va être fou. C'est quoi le boss? Un truc qui sort du sol? Regarde. Vu. C'est dur quand même avec The Lost, hein, putain. Quand t'as pas de la sécurité comme ça, là, c'est tellement de pression, en vrai. Tu dois tellement enchaîner tout, quoi. Bon, ça va, on mourrait pas. Par contre, est-ce que j'enchaîne, là, sans le mantle? Je suis pas sûr, hein. On va reset le damage, et tant pis, en vrai. Hein. De toute façon, y a plus de pognon qui proc, là. Double charge, bof, en vrai. Go chercher du roll. Attends, mais... Ok. Snack, on s'en fout. Fanny Pack, pareil. La tourelle, on s'en fout. Les clés, on s'en fout. Oh là là. Après, vous me dites que je triche, quoi. Mais regarde, regarde-moi ça, là. Y a rien, y a pas un truc qui vaut l'autre, quoi. Mom's Ring, bon. Algise. Dommage. Pertro. Pertro Devil Deal, plutôt. Oi, oi, oi. Oh bah, terrible, ça. Hein. Puis double rouge, en plus, hein. Double rouge, double plaisir. Ok. Damage est bon en fait. Worst items. J'ai exactement ça sur la tête là. Worst items. Les pires objets. Prends le rouge à lèvres pour la transfo maman. Berserker. Un damage up simple. On va clairement s'en satisfaire, je pense. Le Mom's Lipstick, transformation maman, je suis pas sûr que ça m'intéresse en vrai. Il me faut mieux que ça, là. Oh, tier rate. Let's go. Da-da-da-da. Non, on préfère le A+, tous les jours. Hein. Merci Cassange pour le Prime. Natana, 2 mois, merci à toi. Merci à vous. Dur Mother avec The Lost, ouais pareil, le chemin est très très vénère. Hein. 120 vols, Pidgeys, alors Pidgeys j'en veux pas pour le coup. Si possible, Pidgeys, on peut le foutre à la poubelle. Hein. La pelle, la seringue. Seringue c'est spawn, hein. Oui. Ça c'est du tier rate. Ça on s'en fout. La boîte, le D12. Le Mom's Bracelet. La blanquette. Est-ce que la blanquette fonctionne en grid mode? Je vais aller lire les infos. Blanquette Isaac. Blanquette. Hein. Blanquette grid mode. In grid mode, this item grants a shield only for the 2 boss fights on the final level. The shield does not activate for the regular boss waves on the previous floor. Donc c'est que pour... La blanquette, c'est que pour Ultra Grid, du coup? Ah, si ça fonctionne, si palmarès, ça fonctionne sur Ultra Grid, c'est bien. Hein. Moi, je prends. Hein. Deep Pocket, lol. Vous voulez pas du shot speed? Bah, j'en ai eu un peu, mais c'est vrai que j'aurais pu en reprendre. C'est vrai que le shot speed, ça aurait découpé les ennemis un peu là. Hein. Alors là, palmarès de ce niveau, c'est qu'on voit rien au spawn des ennemis. S'il y a des trucs qui me spawnent dessus, je vais pas le voir et c'est trop chiant. Genre s'il y a des fantômes, hein, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, les fantômes, c'est l'enfer. Il faut tellement suivre. Ça, avec Tainted Lost, c'est le cauchemar. Hein. Ah voilà. Il y avait un truc sur moi, genre j'en ai aucune idée. Je sais pas où c'était, ni ce que c'était, ni pourquoi j'ai pris. Je ne vois rien, en fait. Vraiment, on voit que dalle, quoi. Et plus t'as un build qui en fout partout, bah moins t'y vois quelque chose, quoi. J'ai rien vu. Je sais vraiment pas, je sais pas quel dégât j'ai pris. Hein. Ah, mais j'ai marché sur le truc du middle, non? Ah bah oui, c'est ça, tout simplement, non? Bah non. J'ai marché au middle ou pas? Ennemi invisible? C'est terrible. C'est vraiment la pire lisibilité ever, cet étage. Hein.
Et puis mon build aussi améliore pas la lisibilité en vrai. Il y a des larmes partout du coup. Oh, oh ça, ça a failli être fou. Après Little Horn avec 10 de luck c'est fou aussi mais ça a failli être dingue. À deux doigts d'être fou. Non c'est pas ça. Non, on se rappelle de l'étage 1. Hein. Étage 1, il y avait Guppy. Hein. Void. Trinket Osef. Birthright. Chili. Attends. BFF Osef. Vite, 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 vite. D Infini, on s'en fout, je pense. Le Jésus Ju, on s'en fout aussi. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir une dinguerie, là. Bah Better Destiny en vrai. Allez let's go. Puis là on va jamais perdre le Chili en plus. Bah oui Better Destiny hein. Better Destiny ça reroll les qualités pourries donc évidemment. Quand il reste que des dingues. Hein, on s'amuse sur le jeu quoi. Oh Birthright, j'avais oublié que le Birthright en grid mode c'était trop bien avec lui. Hein. On a quand même vu le dé infini. Pas perdre de temps, pas perdre de temps. Oh le Forsaken ce qu'il vient de prendre là, c'est très très salant. Hein. Il manque juste un truc qui trigger avec le A+, et ce serait vraiment fou. What the fuck les amis. Une barre de savon c'est non. Un damage job je pense qu'on peut trouver mieux. Ouais, je pense qu'on trouvera pas mieux. Hein. On va juste acheter ça. Ok dommage. Pas de perte de temps, là, faut y aller direct. Ça manque de Guppy, ouais. Merci Swaskazad, Albalis pour les 10 mois. Swaskazad, bienvenue pour le Prime. Mogwe, merci pour les 5 mois, salut tout le monde. Ah si, Black Horn, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que j'ai Little Horn. Hein. Petit trigger avec la luck, my bad. My bad! Putain, le Holy Mantle, là, qui est perdu sur un sur une bêtise. Est-ce qu'il va se faire découper, lui? Bon, attention, parce que lui, il troll, en vrai, hein. Ça veut totalement juste me tomber sur la tête au pif. Il se fait un peu découper Grid. Hein. Je vois rien, je vois rien. Je vois pas les larmes. Je vois pas les larmes de Grid. C'est visuellement pas très lisible quand même. Hein. ...35 de damage, let's go. Oh là là. Direct il me fait les phases. Hein. Oh là là. La range des explosions était si gentille avec moi là. Mais poussez-vous, il me met tout sur la tête en vrai. Il est où? Je le vois plus. Je sais pas où il est. Je sais toujours pas si j'ai mon mantle ou pas. Il y a tellement de bordel. Bon bah adieu le mantle. Oh, toujours plus de points de vie monsieur. Il y a un séisme qui m'est arrivé dessus. Ah mais la blanquette dans tous les cas. Putain j'avais peur pour rien en vrai. Dans tous les cas, on avait la blanquette. Trop bien. Il nous a quand même mis une tarte. Hein. On y voyait tellement rien. Par contre, 24 minutes 46, c'est beau. Hein. On va faire first try. Hein. On fait les 500 là-dessus. Hein. Si ça, c'est pas beau. Stats 500 secrets. On a fait tous les gridilleurs. On a fait tous les gridilleurs de tous les persos principaux. 500 secrets. Dabadabadam. C'était la bonne idée du jour de faire ça. Hein. Paf. C'est parti pour 500 secrets, quoi.
Il n'en reste que 137. Pouf, il me manque quoi comme item? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça sent le secret, 0 mort, 2 suicides. C'est vrai. 500 secrets et 2 suicides. Putain, si je m'étais pas suicidé deux fois, ce serait magnifique. Après, si je m'étais pas suicidé deux fois, on aurait la pression du zéro mort qui nous aurait fait tilt à un moment donné. Hein. En vrai, cette run-là, le basement, là, c'était chaud. Hein. Merci Startopom pour les 6 mois de Prime, des bisous. Reika pour les 100 bits. Lazuli et 200 bits, je sais pas si je les avais vus. Bon, The Lost, on continue. Prochain stream Isaac, on joue The Lost. On continue le post-it, mais j'aimerais l'annoncer à l'avance. Du coup, aujourd'hui, on va continuer plutôt sur du personnage V2, en vrai. On va jouer un peu des persos V2. Je sais pas qui. En vrai, il y a tellement de persos qu'on a jamais joué. Isaac V2, il lui reste des belles unlocks, je crois, en vrai. Il lui reste des beaux jours devant lui, hein. Je sais plus ce que ça débloque, Isaac V2, Méga Satan. J'ai envie de faire une run de Isaac V2, de toute façon. J'en ai envie, là. Faut pas enlever une pulsion, tu vois. Pas de bounty. Ben, il y a une mage à minuit. Amazon, ils m'ont dit, tu veux être payé pour jouer? Je fais, ouais. Et puis après, ils me font mage à minuit pendant 2 heures. Pendant 2 heures, en plus. C'est genre vraiment, Lost Ark, pendant 2 heures, on peut pas y jouer, quoi. Le jour où je fais mes meilleures stats, ils me font non, pas de bounty. T'es mort. Kane. Bah Tainted Kane, on le jouera, mais Tainted Kane maintenant c'est un vrai plan cul. Hein. Attention, si on veut des objectifs boss rush et tout, maintenant Tainted Kane c'est chaud. Hein. Ah bah oui. Je le savais que ça allait me retomber dessus, cette histoire. Qu'est-ce qui a changé sur Tainted Kane? Bah, plus difficilement cassable, quoi. Et surtout, on peut pas connaître les recettes à l'avance. Le virus. Bon, oh, allez. Merci Page the Ship pour les 8 mois de Prime, des bisous. Merci, merci. Sur Switch, il est comme avant. Ouais, je crois. Hein. Ah, quoique. Non, si, je crois qu'il est comme avant sur Switch, Kane V2. Book of Secrets, c'est bien. Ouais, après, le virus, c'est bien aussi. En vrai, hein. Pour commencer, c'est cool. Ok. Bah après, le problème, c'est que j'ai pas fait Méga Satan, quoi. Ouais. Le problème, c'est que j'ai pas joué Méga Satan, en fait. Donc le bait est un peu trop grand, quoi. Oh, mais stop. Hein. Par pitié. Faut arrêter avec ça, quoi. La boucle, quoi. Waouh. Oh. Oh, la machine, elle m'a donné rien. Elle m'a regardé, elle m'a fait, tiens, t'auras rien. Quand as-tu prévu de jouer The Lost? Bah, on vient de le faire, mec. On vient de faire The Lost Greedy Year, là. Dommage. On vient littéralement de terminer une run The Lost, là. La machine n'est pas vide. Non, la machine, elle est à 700 et quelques, un truc comme ça. Oh, le Ragman Orange du non-plaisir, là. Aïe, 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 aïe.
Ragman Orange, quoi. Oh, Ragman Orange. Ragman Orange, nos bombes. Dommage. Le Ragman qui revive tout le monde en boucle, là, qui se refait des points de vie à chaque fois. Oh là là. Faut jouer avec les araignées, en vrai, c'est terrible, mais... C'est le seul moyen, quoi. C'est le seul moyen, parce que sinon, j'ai pas assez de DPS pour gérer et les araignées et le boss. Faut que j'arrête de tuer des araignées, mais en même temps, il veut pas venir vers moi, là. Si. Allez, viens, 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 viens. Là, il faut lui mettre, là, un peu, là. Arrête, arrête. Reste pas là-bas. Putain, je le déteste. Oh, Ragman Orange, c'est terrible, en vrai. Ouais, je crois que la bonne nouvelle, maintenant, c'est que si je le tue, ça tue tout le monde en même temps. Je sais plus. Ok. Alors, ce qu'on me propose est pas ouf, mais de toute façon, j'ai pas de cœur, donc en vrai, non, quoi. À quand le learning Ragman Orange? Bah, tu viens de l'avoir, là. Je viens de le faire sous tes yeux, là. On l'a no-hit. Donc, à un moment donné, faut ouvrir les yeux, quoi. Ah. La musique, on est sur l'OST de Dicey. Dicey Donjon. En fait, faut que je fasse un peu gaffe parce que la Satanic Bible, c'est quand même un gros bait. Hein. C'est quand même très sale, la Satanic Bible. Hein. Ouh, c'est bien ça. On apprécie ça. Non, si j'avais parlé en même temps, par contre, on aurait pris 20 hits, je pense. Si j'avais raconté ma vie pendant le Ragman Orange, bon, j'ai un peu parlé, mais j'ai pas raconté les strats, quoi. Je suis toujours pas redescendu de la run The Lost. Hein. J'ai eu tellement de pression au début de la run. Et puis après, elle a été si belle. Que je me sens encore dedans, là. Parce que j'ai déjà écouté l'OST de LA Noir. J'ai vu du LA Noir, mais je me rappelle pas trop de la musique, non. Je crois que j'ai pas joué au jeu. C'est pas copyrighté, ça? Non, je pense pas. Ils ont pas mis des musiques un peu jazzy blues des années... Ça... Est-ce que j'ai envie d'utiliser ma Satanic Bible? C'est la question, quoi. Je suis pas sûr, en vrai. Non. Je vais attendre. Je vais gentiment attendre. Putain, il y a la clé! Oh, il y a la clé de Mother, en vrai. Ah, il y a la clé pour Mother. On a fait The Beast, oui. Il y a la Mother Key. Il y a la clé du plaisir. Sharp Key, Mega Satan. Ah, il y a la clé pour Mega Satan aussi, mais... Oh là là. Trop de possibilités. Dans quel monde on n'utilise pas la Satanic Bible? Bah parce que là, ça va me proposer un item de Devil Deal à la fin de l'étage. Je vais l'utiliser à partir du moment où j'aurai tué le boss, je pense. Enfin, dès que je vais rentrer sur la salle du boss. Ouh, j'ai failli me faire bait. J'ai failli me faire bait, mais j'ai hésité. C'était une bonne idée d'hésiter, en fait. Surtout que le jeu m'a récompensé en cœur, en vrai. Sharp Key, oui, c'est très bien. Ouais. Après le boss, oui, après le boss. J'y ai pensé après, mais c'est vrai que c'est une connerie de l'utiliser en rentrant, parce que ça fait exactement pareil. Et puis t'optimises quoi? Une charge? C'est vraiment très bête, quoi. Booster Pack ou la belt? Ce sera le Booster Pack, je pense. On veut du pognon. Tempérance, parfait pour le pognon. C'est exactement ce que je voulais voir. Par contre, il me manque une clé, là. Malaise, un peu. Oh, dans tous les cas, on achètera la Sharp Key. Oh là là. La Eye of Belial, quand même, c'est pas mal, hein. Alors, il coûte cher, mais... Tout de même. Ok. The Devil, The Lover, The Fool.
Ace of Hearts. British Sea Power, c'est DMCA ou pas, les musiques de Disco Elysium? Bah, je crois que oui. Hein. Je crois que malheureusement, oui. Du coup, je pense que je prends ça. La Sharp Key. Et à partir de maintenant, en fait, on peut décider si on fait Mother ou, ou Mega Satan. On a le choix. On a grave le choix. Tout dépend de la gueule de la run. Dans tous les cas, il faudra me rappeler le dernier Kara où je peux aller sur, sur Mausolée. Mais je crois que c'est à Depths 1 qu'il faudra aller à Mausolée. Le truc avec Mother et la Sharp Key, c'est que t'as pas besoin du couteau pour aller voir Mother, du coup, en fait. Ou alors, tu peux te faire un couteau et ne pas l'utiliser pour ouvrir la porte, en fait. Reroll la Bible ? Ouais, ça marche pas, on est dans un shop. La machine du shop, elle reroll que le shop, en fait. Bon, continuons. Merci Vulven pour les 19 mois. Bonsoir. Bonsoir. Mausolée, c'est mine à Speed 2. Ouais, mais on va aller à Mausolée 2, pas Mausolée 1, tu vois. Je crois qu'on peut accéder directement à Mausolée 2, non? Ah, quoique, peut-être pas. Je sais plus. Si, si. Ah, depuis Depths 1, en fait. Il y a une porte à Depths 1. Normalement. Non. Il n'y a pas de porte à Depths 1. Pour moi, il y a 100% une porte à Depths 1. À Depths 1, si. À 2, c'est The Beast. Si, mais tu risques le XL. Et alors? C'est quoi le problème du XL? Quel problème du XL, en vrai? Ah! Je risque d'avoir Depths XL et du coup d'être baisé, ça oui. Bah si j'ai Depths XL, ce sera Mega Satan et puis c'est tout, en fait. Oui, oui, si j'ai Depths XL, en effet, bah du coup, j'aurai la porte de The Beast. Oui, oui. Mais à Depths 1, il y a une porte, hein. Va falloir réviser les classiques, là. Hein. Si je fais tout le jeu, si je fais tout le jeu en normal, qu'est-ce que je loupe? Pareil pour Grid. Bah, des unlocks, mais pas beaucoup. Mais tu loupes des unlocks. Du coup, si tu veux le 100% unlock, bah, il faudra jouer en hard à un moment et faire vraiment tous les objectifs. Mais sinon, pour débloquer les meilleurs objets du jeu, en vrai, il n'y a pas besoin de jouer en hard. Hein. Sûrement pour Death Certificate quand même, mais bon, voilà, c'est Death Certificate, c'est la fin, quoi. C'est si t'arrives à faire tout le jeu, donc... Tu peux pas Mega Satan, t'as pris des villes deal. Ouais, mais j'ai la clé, en fait. La clé que j'ai en haut à gauche, elle me permet d'ouvrir toutes les portes comme la... Comme la Datsuki, et même en mieux, parce que je peux ouvrir la porte de... Vers Mother, sans le couteau. Je peux ouvrir la porte de The Beast sans Polaroid négatif. Je peux vraiment tout faire avec ça. Salut Sushi. Bah, la forme, la forme. Merci, j'ai Kriller. Kriller pour les 9 mois de Prime. Des bisous. Dead God à l'instant, plus jamais ça. Putain, GG, ça bat. Est-ce que ça peut ouvrir les challenge rooms? Oui, non, pas les challenge rooms. C'est le seul truc que ça ouvre pas, il me semble. Oh, bâtard! Oh, c'est sorti de loin tout ça là. Il a jamais voulu aller là. Putain, heureusement que je me fais rembourser derrière quoi. On n'aura pas le A+, dommage. On était plutôt sur une bonne streak sans se faire toucher là. Red Candle. Tarot Kloss. Ouais, je vais prendre gentiment le cœur bleu. Putain, mais ça va... le nez depuis que j'ai éternué là. Oh la vache, je sais pas ce que j'ai, du poivre dans le pif là. Grédier en Tainted Loss après une run de 3 heures coupée en deux à cause d'un crash à base d'abus du D-Infinity. Je me sens plus léger. Ah, ça finit souvent comme ça en vrai. Hein. Ça a quoi de toucher les items, pas juste avoir les unlocks pour le Dead God. Non, il faut aussi les ramasser. Si tu vas dans ton onglet items des stats du jeu, tu verras les objets que t'as ramassé en fait. Le début du pollen? Oh non, non, pas en mars, je pense pas. Non, par pitié. Enfin, pas fin février, quoi.
Le pollen, ça m'a jamais rien fait avant l'été, ça va pas commencer maintenant. Ah, mais je me rappelle des streams en septembre, j'ai tellement douillé à cause de ça. Putain de pollen, cette année, il m'avait défoncé. Depuis un mois, les noisetiers. Hein ? Allergique aux noisetiers ? Ça existe l'allergie aux noisetiers ? Ça dégage du pollen ? Hein ? Ton allergie te tabasse déjà en ce moment ? Putain. J'espère ne pas devenir sensible à ce point-là en vrai. Enfin, je veux dire, hypersensible au niveau pollen, quoi. Mais bon, ça peut t'arriver, hein. Problème des allergies, quoi. Oh, est-ce que j'ai envie de jouer Marc ? Je pense pas. Hein. Après, est-ce que j'ai envie de prendre les bombes ? Bien sûr. Parce que c'est gratuit, quand même. Outfry, pas prendre en livraison, c'est pas bon, donne pas ce que t'as commandé. Je sais même pas ce que c'est, mec. I don't know what it is. Ok, c'est vrai qu'on est dans une run Devil Deal par contre. Hein. Oh non, je veux pas ça. Propose-moi un truc mieux derrière le Cube of Meat là. Resto coréen piment. Ah genre poulet frit coréen. Je connais pas celui-là. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est un mec? Oh bah à chaque fois je dis ça, des fois je me corrige, des fois je me corrige pas. De toute façon vas-y, on va faire un sondage, vous allez voir qu'il y a 95% de dudes juteux sur le chat là. Ça va être terrible. Hein. Il y avait 95% de gamer dudes juteux dans le chat là. 99 même, je call. Outfried, c'est excellent. Apparemment, quelqu'un a pas reçu sa commande. Terrible. Bah, ça marche plus, Spotify. Ah mais non, mais j'écoute Dicey Dungeon, c'est vrai. Bon bah vas-y, on switch. Mais en effet, désolé. Hein. Fury, tiens. Tu dois aussi avec le pollen. Mais non, mais en vrai, là, pour l'instant, là, j'ai rien cette année. Hein. C'est juste que moi, j'ai toujours plus ou moins le nez pris. Hein. Ça a toujours été toute ma vie. Ça se trouve, j'ai toujours douillé au pollen sans m'en rendre compte, mais j'y suis habitué, quoi. Ouais, bah, cassons-nous, en vrai. Dibididim, bididim. Le fameux pollen d'octobre, hein. Le fameux pollen de fin septembre, là. On s'en rappelle dessus. Hein. Oh là là. Oh là là, le bazar. Oh là, le bazar. J'ai les chats. Hein. Allergie aux chats, j'ai. Hein. J'ai vénère. Hein. L'allergie aux chats, chez moi, c'est terrible. Ça me trigger instant. Je suis parti pour vraiment les yeux, le nez, la gorge, tout quoi. La totale. Hein. Je sors du bain. Non mais vas-y, on va faire un sondage. Qui s'est lavé aujourd'hui? Vous allez voir. Sondage honnête. Hein. Qui a pris une douche aujourd'hui là? Sachant que la toilette au lavabo ne compte pas. Hein. Une douche. Hein. La vraie douche. De toute façon, il y en a plein qui vont aller se doucher à minuit parce qu'il y a... Il y a Lost Ark qui est en maintenance. Je vais partir de là, hein. Petite mage, quoi. Petite mage, petite douche. Tu triches, c'est dimanche. Bah alors, on se lave pas le dimanche. Faut faire des économies. Ah, j'avoue. Bon, après, il y a toilette au lavabo et toilette au lavabo, quoi. Non! Oh, je me suis fait bait! Oh, je me suis fait bait! J'ai pris le bait de Isaac V2, quoi. Et puis vraiment, pile dans la tempo, quoi. J'ai pas pu m'arrêter. Oh, j'ai pris le bait. J'aurais pas mes cœurs bonus. C'était full bonus, en vrai.
Non, bah, vraiment, prenez pas de douche. Hein. Allez vous laver dans la Seine. Faut penser à la planète, s'il vous plaît. Prenez pas de douche, allez vous jeter dans la Seine qui est polluée par des multinationales qui pensent pas à l'écologie, mais vous pensez-y en vrai. Hein. Pensez-y et allez vous doucher dans la Seine, s'il vous plaît. En vrai, encourager les gens à aller se doucher dans la Seine, c'est terrible, hein. C'est interdit, je pense. Hein. Puis en même temps, tu remplis tes gourdes, quoi. Si tu veux boire de l'eau, profites-en à ce moment-là, prends la Seine, hein. La Seinoise, là. Down, down, da-dum, down, down. Passe ton été dedans, la Seine, elle est très clean. Hein. En amont de Paris, ouais, elle est... Dans Paris même, elle est très clean aussi, hein. Je sais pas ce que t'as à redire sur la Seine, en vrai. La Seine, dans Paris même, elle est très propre. Hein. Ouh, c'est pas bien tout ça. Ça part sur Papa Fly, en vrai. Hein. Let's go. Hein. Et ça part sur un petit risotto d'orzo aux champignons. Suivez-moi sur TikTok. Envie de rejoindre Papa Fly. Un peu envie de rejoindre Papa Fly en vrai. Hein. Sur ce play autour de Mister Dolly. À Vernon, la Seine est propre aussi. Je sais pas où c'est Vernon, désolé. Sorry, not sorry. C'est Vernon. Oh merde, c'est rigolo ça. Je sais pas où est Vernon. C'est Vernon. C'est beau. C'est à côté de oui. Ah, j'ai préféré c'est Vernon en vrai. Désolé. Toutes les blagues ne se valent pas. T'as fait une emote. Je sais que c'est bêtise. Cheese genou. Mais pourquoi? Mais. Et à Ethernet, t'as permis pour montrer ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette brasse, en vrai? Il a mis mon genou dans un carré et il me dit j'ai fait une emote, j'en peux plus, quoi. T'as dansé jusqu'à 8h du mat, tu t'es toujours pas lavé. Bah écoute mec, lance ton calbar au plafond, tu nous dis en combien de temps il redescend quoi. Fais juste gaffe à ce qu'il rampe pas jusqu'à la carte du mur quoi. Tint. J'ai pas de point de vie en vrai, il faudrait des cœurs rouges là. Il faudrait Magic Mush en fait. Tintin. En vrai, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Quand tu prends une trop grosse cuite le lendemain, là, tu sais que la douche, ça va te faire du bien, mais t'arrives pas à te lever, quoi. Deux seringues, deux. Le pentagramme pour trois cœurs bleus, c'est non. Alors, tout ce qu'il y a là pour trois cœurs bleus, c'est non, chez non, c'est non. No, no way. Merci Laxou pour les 44 mois. Des bisous chez You, Eterna et Roscoe. Ah. Enfin, quelqu'un en effet qui envoie des bisous à tout le monde. Et pas que à chez You et Roscoe. Nino Culo, merci pour les 15 mois de Prime. D'ailleurs, on n'a pas vu la Roscasse. Hein. Est-ce qu'il serait pas l'heure de prendre un petit bonbon à la mandarine hein. Finalement, ils m'ont bien. Vous voulez un bonbon à la mandarine? Qui c'est qui veut? Qui veut le bonbon à la mandarine? Qui c'est qu'en veut un? C'est pour moi. Hein. Nom nom nom. Moi je veux la manette. C'est l'heure du bonbon. Ignoble tiers. Ignoble tiers ça? Moi je les aime bien. Hein. Un par stream, pas plus. Oh
Alors par contre, le problème, c'est qu'ils sont trop gros, quoi. Mais hier, il y a bien carry pendant le stream Fall Guys. Hein. Un petit bonbon à mandarine. Hein. Bah, je sais pas si c'est à la mandarine ou à la clémentine, mais derrière, c'est écrit mandarinen. Mandarinen saft. C'est une mandarine, ça, ou c'est une clémentine? Moi, ça me fait penser à une clémentine, ça. Une pastèque. Pastèque, orange, cerise, raisin, banane, pomme. C'est une citrouille. Hein. Clémentine égale mandarine. Comment ça? Il n'y a pas de diff? Il n'y a pas de diff? Désolé, j'arrive pas à parler. D'après Google Trad, mandarine. Mandarin and Saft. Ça a goût de médicament d'orange? Absolument pas. Vraiment pas. Ça a pas goût de mucomiste. Ça a goût de mandarine, quoi. Aux Pays-Bas, mandarine, c'était clémentine. Tant que vous saurez pas m'expliquer la différence, j'y peux rien. Hein. Il me semblait que c'était le nombre de bébés. Ça se dit Zaft. Mandarin and Zaft. En vrai, c'est plus stylé Mandarin and Saft. Hein. Mandarin and Zaft, ça fait un peu les Aft, quoi. Un Aft ou une Aft? Peut-être que tu tires, je vais crever, quoi. Mais... vous allez me refaire le coup du flan, alors que le bonbon, il est bien, hein. Moi, le bonbon, je l'aime bien. Hein. Bah, s'il y a que moi qu'en veut, c'est moi qui les mange, tant pis, hein. The Moon. C'est-à-dire que le flan, tu l'aimais pas. Le flan, il était insane. Hein. Il valait pas un flan Savary, mais attention. Le flan était très bon. Bon, Louise l'aimait pas elle-même. Alors que c'était elle qui l'avait fait. Mais moi, je l'ai bien aimé. Hein. Il est minuit, on veut tous Wario, garde les bonbons. Il est minuit, on veut tous une Mage Lost Ark, surtout. Une petite maintenance, là. Miam, miam, miam. Adieu, les joueurs. Déco de Lost Ark. Allez, hop. Allez. Tout le monde revient, là. 2 heures de mage. Oh là là. Si encore ça avait été une petite demi-heure, une petite heure, ça aurait été parfait. Mais 2 heures de mage, il te pétait un plomb, quoi. Venez sur EU West. Je vais venir faire ma... mon bounty sur EU West. Il n'y a rien à faire sur EU West, en fait. Pourquoi il n'y a pas de match sur EU West? Parce que le matchmaking n'est pas buggé, en fait. Chope d'abord. Ouh, il allait vite, lui. Rouge égale rapide, un peu. 2 heures de mage, on lui pétait un plomb. J'ai même pas fait mes Chaos Dungeon. J'avais fait exprès de garder le meilleur contenu du jeu pour faire l'OP, le bounty. J'avais gardé mes Chaos Dungeon, mes raids gardiens, mes raids abyssaux, j'ai tout de dispo et je peux pas le faire. Le sub event. Et ça veut surtout dire que si je veux faire mes Chaos Dungeon, faut que je les fasse à 2 heures du mat, quoi. On va être pété un plomb, quoi. En vrai, l'île haute, better que les bombes pourries, là. J'ai tout, mais j'ai rien.
Souvent ça up plus tôt que prévu. On verra. Hein. Et le problème c'est que ça me stresse quoi. D'avoir un bounty up jusqu'au 23. Demain j'ai envie de jouer tranquille à Horizon et tout. J'ai pas envie de me prendre la tête, je voulais vraiment le faire ce soir. Au pire vraiment on va le faire quand même ce soir. Et tant pis, on sera deux et je gagnerai 5 balles. Mais on le fera ce soir je pense. Hein. Bon, sauf si la mage est en retard quoi. Si la mage est en retard, vraiment on le fait pas ce soir. Merci Badracoon pour les 7 mois, des bisous. Merci, merci. La rune, on n'a pas vu la rune. Perd trop la rune. Ah pardon. Merci à vous. Ils sont trop bons les bonbons. Merci Zos pour les 17 mois, des bisous. Gros bisous Zos. Ok, donc là c'est le dernier Kara. Si on veut aller faire Mother, faut partir maintenant. Est-ce qu'on a envie de faire Mother avec ce build? C'est compliqué à définir. Ouais. C'est déjà définir build. Quand je vois ce que j'ai là. Go Mega Satan, ouais, je sais pas. Ouais. The Stark Down redécouvre Twitch. Oh, merde. Merci Zin pour les 14 mois, des bisous. Pourquoi je prends jamais les trinkets? Parce qu'ils sont pourris, non? C'est la tempête dehors, là? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que je fais. Tu peux avoir 100 fois mieux avec les Jacques V2, Goméga Satan. Ouais, mais là... On n'a pas le couteau, quoi. Go Gehenna et avisez ensuite. Il y a peut-être des chances. Il y a peut-être des chances qu'on aille voir Gehenna et si c'est vraiment de la merde, on revient sur le chemin habituel, en fait. On va jouer comme ça, je pense. Donc c'est la tempête dehors, là. Putain, j'ai failli être très malaisant, en fait. J'ai failli me malaiser à un point. Le malaise a failli être si grand. Ah putain, vous aviez call Gehenna et le pire c'est que c'est ça. Hein. Waouh. Ah ouais, mais le D6 c'était marrant toi. Si je sors, re-rentre, c'est toujours pareil, ok. D6 tous les jours. Ouais, mais il y a une porte à ouvrir à la fin de l'étage en fait. Et la porte, je peux l'ouvrir qu'avec mon activable. Hein. Bien ça. Eye of Belial, c'est fort quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas, on risque de le jouer. Le D6, mais j'attends de voir. T'es à Gehenna 1, pas 2. Ah oui, bien vu ça. Fait chier ça. Enfin, fait chier non, parce que sinon on aurait eu un étage en moins, mais... Bah bien. Bah super. C'est tout ce qu'on voulait voir ça. Aïe aïe aïe. On va essayer de choper des cœurs bleus quand même. Vu qu'on a pas mal de bombes. Voilà, merci. Oh la salle, pas bien. Oh, puis j'ai spawn là, j'avais pas regardé. Les vrais embrouilles. Hein. Enfin, tu peux tout faire avec une bonne diagonale, mais bon. J'ai spawn dessus. Hein. Et là, tu téléfrages et tu meurs. Spelunky style. J'ai envie d'uriner, c'est terrible. Je suis obligé de le dire comme ça, je suis désolé. Merci Gamercraft, banger le stuff, Tikura, petit coucou de YouTube, merci Gamecraft. Pardon, Gamecraft, pas Gamercraft. Envie d'urinex, quoi.
J'ai la poisse en ce moment, j'ai pété des verres. J'ai pété un verre l'autre jour, terrible, il y avait du verre partout. Et hier, j'ai pété le verre doseur, quoi. Je m'en vais pour faire la vaisselle et boum, le verre doseur sur la table en deux, quoi. J'arrête pas de péter des trucs. Est-ce que le son est dispo sur les plateformes de streaming? Non, faut demander à SPP s'il a envie de les mettre sur les plateformes de streaming, mais je pense qu'il le fera pas pour pas ruiner sa carrière de musicien. Ou alors sous un autre nom, quoi, sous un alias. Sous un alias, il pourrait les mettre sur une plateforme de streaming. Celui qui ne fait rien ne casse rien. Bah voilà, bah j'ai fait la vaisselle, j'ai pété un verre doseur. Un Pyrex en plus, hein, un beau, hein. Quoi? Oh putain, je déteste. Je l'ai défoncé, le truc. Oh, je pouvais y aller avec une seule clé, ça. Est-ce que ça marche de faire ça? Absolument pas. Mais genre... Oh, par contre... Malaise un peu, j'aurais jamais dû faire ça. Keeper's Box ou le Steam Sale? Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, quoi? Non! Pas assez de cœur bleu, quoi. Pas assez de mana. Non, je vais le prendre. Bah oui, c'était soit l'un, soit l'autre. J'étais nul. J'en ai marre. D6 plus Sharp Key. Mais pourquoi? Je peux pas avoir les deux, j'ai pas le sac. J'ai retrouvé SOS médecin à cause d'un verre coca de McDo en faisant la vaisselle. Ah merde. Il est sympa ce Guéna, j'ai juste envie de péter un plomb, quoi, mais tout va bien, ouais. Je crois qu'il y a rien qui m'intéresse là. Hein. Les punchs, ça m'intéresse pas. Perd trop ça alors qu'on a potentiellement du Devil Deal qui arrive, ça me fait chier. Ouais. En vrai, tant pis pour le dé. Hein. Mais j'ai pas de speed du coup, mais oh là là. J'aime pas ma run. Hein. Perdre le virus pour spawn, mais on l'aura jamais. Au pire, j'irai le rechercher, mais on n'aura jamais la dernière seringue. Ou alors on l'aura à cet étage, on va se transformer et puis le reposer, quoi. Il pourrait virer un trouder, en vrai, hein, c'est validé, mais... Je sais pas. De toute façon, là, on va prendre trop cher sur le boss, en vrai. Hein. Ouais, il fallait que ce soit lui, en plus. Hein. Vraiment, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, en vrai. What? Mais les patterns qui me fait que je comprends pas, là. Ah. Intéressant. Ah bah non, mais spawn, en fait, il n'y avait même pas besoin de... Ok. Il n'y avait même pas besoin d'avoir les trois sur moi, en fait. J'ai mis envie de garder le tir rate shot speed en vrai. Death touch, ouais, mais j'ai pas de vie. Puis death touch, on s'en fout, on a déjà Eye of Belial, qu'est-ce que je raconte? Fear shot, purgatoire. Je sais pas où je vais honnêtement, je sais pas où elle va cette run, en vrai. Je sais pas où je vais avec cette run. Merci que le rang pour les deux mois de Prime. Le Prime qui se réveille, toujours cool de regarder du Isaac. Merci. Elle va pas bien loin. Elle va pas bien. Loin. Stapler. Tu reposes la question à chaque run. Bah ouais, mais...
En même temps, je pars sur Mother et genre c'est pas clair et net que c'est Mother ça, tu vois. Et Gehenna 2, hein, bien sûr. Hein. C'était censé être patché, hein, ça. Hein. Quand t'as Gehenna 1, t'as pas 100% de chance d'avoir Gehenna 2, mais dans les faits, tu skips le Stipler. Bah tu remplaces quoi, en fait? Genre j'ai pas de speed, donc si je vire mon objet de speed, c'est chiant. Intruder, mais enfin Intruder c'est pas mal hein. Intruder c'est cool hein. Intruder je le remplace si j'ai un truc qui bénéficie de mes stats. Genre je sais pas moi, les dents, un rubber cement, quelque chose qui agit avec mes larmes. Mais sinon en vrai je le joue je pense hein. Aïe 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 aïe, oh putain. Bazar. Pas de place, y'a pas de place. Je veux mon shop first, si possible. C'est possible. Le pognon. Let's go, il me faudrait un petit shop à reroll là, ce serait parfait en vrai. J'y crois, qui y croit, j'y crois. Le shop full reroll, qu'est-ce que c'est que cette salle? What? Mon dieu, mais... Ok, j'ai pété les... j'ai perdu la boule. Si on a chopé une Angel Room à 26% de chance. D'ailleurs, j'espère que vous étiez là, sinon vous n'aurez pas votre badge. J'étais là. On peut choper un shop avec machine de reroll avec 65 pièces. Je veux y croire. C'est maintenant. C'est le malaise. C'est malaisant un peu, hein. C'est dommage. Mais j'y suis déjà allé! Qu'est-ce que je fous? Il y a des badges, j'étais pas là aussi. Ouais, il y a celui-là aussi. Hein. Bien ça. Très très bien les cœurs. Ça me conforte dans l'idée d'aller voir Mother. Bon, oh, bah non mais j'ai envie de péter un plomb. Serpanski, oh là là. Après, est-ce que Serpanski c'est pas meilleur qu'Intruder? Bon, en vrai, c'est kiff-kiff. Ouais. Un Satan ou Angel Room à 0,25, est-ce que t'en as déjà eu? Oui, bah... C'est déjà arrivé, mais c'est vrai que c'est très rare, du coup, de fait. Bien, ça. Bien, bien, bien. Encore. Voilà, voilà, voilà. Ça me conforte, ça. Ça me conforte dans l'idée d'y aller. BFF, quoi. Ça te dit de nous parler de séries de fonctions ou d'interpolations polynomiales? Merci pour les 100 bits, CFIZ. Bah, pas trop, en vrai. Vraiment pas des masses, quoi. Parce que toi, oui, t'as envie de nous parler de ça un peu, là? Tu veux nous faire un petit cours? Merci, c'est Tsuna. 30 mois. Des gros bisous pour les 30 mois. Bonne nuit, Emoji Moon. Non, moi, vraiment pas trop, en vrai. Hein. Oh, vas-y, conforte-moi. Conforte-moi dans l'idée, c'est maintenant. Oh, jugement. Conforte-moi. Petite interpolation de Lagrange, là. Pas trop envie. Hein. Oh non, tu me confortes pas du tout, là. Zéro confort. Pas le gerbotron. T'as commencé ta save mais en même temps que moi, t'es à 480 secrets, pas croisé la blanche carte d'une seule fois. Bah écoute, même équipe ici à peu près, à 20 secrets près, on est les mêmes. Hein. C'est bien, ça conforte. Non mais vas-y, go voir Mother en vrai. Hein. On prend cette run, on l'emmène à Mother et puis on voit derrière. Hein. Conforte-moi là, encore un petit trinket, un truc bien. J'ai pas de trinket en vrai. Jishayu, pourquoi tu prends pas les trinkets? Tu prends jamais les trinkets. Dans la toute dernière Runkeeper, j'ai eu l'Angel Room à 24% où j'avais risqué auparavant de laisser le Wooden Nickel au profit d'Eden Soul, joli opti.
Coup de GG, c'est ce qu'on veut voir. Hein. Bravo. Est-ce que je l'ai ramassé, ça? Je l'ai ramassé, on est d'accord. Hein. Dans le doute, je le ramasse. J'utilise genre une, deux fois, grand max. Petite troisième, en vrai. C'est vraiment juste pour le plaisir, quoi. Putain, une, deux fois, c'est déjà trop, en vrai. Hein. Je l'ai utilisé trois fois. Hein. J'ai envie de mourir. Petit damage up, là. Ça, c'est gratuit, hein. Pas conforté là, hein. M'a pas conforté le jeu là. C'est terrible un peu là. Ce pattern là, je l'aime pas. Ça passe. Ah, c'était ça tout à l'heure, Midas Touch. Là, vous avez pété un plomb. Oh, la gerboulade un peu. Hein. Quand t'as cet effet dans le challenge mystère, c'est la lose. Oh putain, j'avoue. Comment faire vomir 5K personnes? Bah, la moitié dehors, tout va bien. La moitié fait des dodos, là. Qui fait dodo, là? Tat-tat-tat-tat. Je dors, regardez. Moi, voilà, vous voyez, tout le monde dort, ouais. Mon PC a craqué avant moi et a crash. Oh, le dodo du PC. On est là. Vous êtes là. Vous êtes là pour la coupe Wario. Vous êtes là pour le bounty. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes là le dimanche, quoi. Dimanche, le meilleur stream de la semaine, en vrai. Ça a toujours été, hein. Enfin, tous les streams sont bien. Demain, la masterclass. Toute la journée sur Horizon, on va se régaler. Quand en 10 heures, on va avoir fait 3 quêtes secondaires, 2 parties d'attaque et... Et 3 bassines chassées, ce sera fou quoi. Une quête principale. En vrai, je pense que demain, ça va enchaîner. Demain, le taf. Merde. Tot, 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 tot. La fine fleur. Le dimanche, c'est la fine fleur, bien sûr. Vous voyez, je dors. Merci pour le Prime qui dort plus, du coup, Blueton. 4 mois de Prime, tu as échangé en fait. Lui, il dormait, mais pas toi. Enfin. Oui, dormez, mais pas toi, voilà. La coupe Wario. La coupe Wario. Oh, le build fantastique en vrai. Prends pas de tarte, hein. On a pris zéro tarte pour l'instant. Hein. Scourgette. J'aime pas qu'on scourgette, il fait ça. Je sais pas trop comment il décide d'envoyer les bras, scourgette en fait. Oh, berk. Après, on peut prendre le cœur noir, on peut prendre les bombes, puis on reprend ça. Puis on se casse, quoi. Vas-y, Julien Philippe, pour les 4 mois de Prime. Tu viens de faire ton taf, donc team 4. Ah, let's go. Tu vas t'endormir devant le stream, du coup. Wario avec sa coupe comme avant. Tum, 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 tum. Bon, qui c'est qui devrait faire absolument méga Satan pour débloquer une unlock de fou, là? On a déjà débloqué les machines à gacha avec Samson. Lui, il pourrait nous débloquer les méga chests, mais les méga chests, bof. Évidemment, il y a les trinkets goldés, mais c'est Jacob V2, donc c'est même pas la peine. J'ai pas envie de me balancer un Jacob V2, là.
Tainted Lost. Oh, Tainted Lost, c'est les Haunted Chests. C'est nul. Hein. Keeper V2 donne les pièces infinies. Ah ouais. Mega Chest, bof. Bah, en vrai, un peu. Hein. Les confessionnals, c'est genre Maggie, non? Les batteries dorées avec je sais plus qui. Les batteries dorées, on les utilise pas souvent. Hein. En vrai, il y a les pièces dorées qui sont ultra bien, mais bon, c'est Keeper. Les Mega Pills. Hein. Les Mega Pills. Putain, c'est qui les Mega Pills? Les Horse Pills? C'est Kane, non? Confessionnal, c'est Bethany. Tainted Bethany. Tainted Bethany, c'est vite fait l'angoisse. Les wooden chests. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Putain, mais les wooden chests, c'est incroyable pour choper des tainted. Enfin, des holy cards en tainted loss, j'avoue. C'est qui les wooden chests? Prime Game, on l'a débloqué. Hein. Merci, Mackie White, pour les 7 mois de Prime. Des bisous. Lazarus. Oh, oh vraiment, les coffres en bois, c'est Lazarus. Non, on va s'éviter un Lazarus V2 de minuit et demi, là. Vraiment. On va s'éviter ça. Tainted Forgotten, c'est quel unlock? Bonne question. C'est la Golden Battery, justement? Ah, c'est sûr qu'une Golden Battery, il y a des rares situations où c'est trop bien, hein, mais... En fait, ça aidera pas The Lost, tu vois. Ça aidera pas Tainted Lost. Merci Magic White pour les 33 mois. Re-bienvenue. Merci, merci, j'espère que ça va. Bah, bah, bah. Ok. T'es bon pour Lost Ark après un Tainted Lazarus, ça va là. Hein. Je suis bon pour tout, hein. Je suis bon pour dormir jusqu'à demain 15h. Hein. Ah, le Gwixer qui a failli crever. Ouf, ça me font des trucs chelous là. Attends, on est en train de faire un corps sans damage là. Corps 1, corps 2. Regardez-moi toutes les salles qu'on a fait, on a pris 0 dégâts. Alors qu'on n'a pas un build fantastique en vrai. Si j'enchaîne sur Mother no damage, c'est fou. Mais Mother no damage avec ce build là, j'y crois pas trop. Hein. Au moins, on a tous nos points de vie. Ah bah oui, bah par en dessous quoi. Toujours plus de plaisir en vrai. Petit tennis. Oh je... Oh la vieille vanne, nul. Oh non, il va me faire ce pattern, vraiment. Super. J'ai tout pris, putain. Moi, je savais pas que t'allais faire ça, il reste des potes, là. Oh là là. Ça fait quoi s'il reste des potes en P2, on s'en fout? Genre, c'est pas, ça fait pas une dame quand ça arrive au bout. Il récupère pas sa reine, là? Il a réussi à emmener ses pions tout en haut, là. Isaac! Oh, le mokubinisme, quoi! Dans le coin! Oh non, mais j'ai tout pris! C'est pas possible! Oh, ça mokubinise. Je me fais mokubiniser à l'infini, là. J'ai jamais pris autant de coups sur Mother, je crois. Vraiment, c'est la première fois.
Ça valait le coup de no hit corps en vrai, hein, parce que sinon, ça aurait été la merde. Hein. Oh non, c'est le mot cubinisme. Isaac! Eh bah putain. J'arrive jamais à finir tes VOD, mais toujours là sur YouTube. Ouais, merci Stéphy Z pour les 100 bits. Ça se passe trop mal! Merci, merci. J'arrive jamais à finir les VOD, bah ouais, mais VOD sont un peu longues quand même. Hein. Bon bah voilà, on a fait Mother. Je sais même pas ce que ça débloque, mais je crois que c'est bien en vrai, non? Je sais plus. Merci pour les 200 bits, Reka. Wakubo. GG. Putain, mais tout le monde a des bits en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour les bits. Je sais pas d'où vous les sortez, mais. Elle va être mon slip! Pardon. J'ai fait un geste obscène en plus. Merci pour les GG. Dice Bag. En vrai, l'unlock est pas trop mal. Hein. 501. Cette musique, elle me rend trop heureux, en fait. Qui va aller voir Méga Satan, là? J'ai envie de tenter une run Méga Satan, mais on avait dit quoi? Je sais plus. On avait dit Lazarus, bien sûr. Tainted Lilith, je sais plus ce que ça débloque sur Méga Satan. Keeper, donc c'est incroyable, mais le problème, c'est que c'est Keeper. Je me ferais bien une run Apollyon V2, tiens. La punition. Un petit Apollyon V2, là. J'arrive tout de suite. Je vais pisser. Et c'est parti pour la run Apollyon V2. A tout de suite. Ah! Re. Merci Migo pour les 7 mois. Toujours un plaisir de suivre tes streams. Merci beaucoup Migo. Merci, merci. Ok. T'as OP le deuxième rip, c'était quoi? C'était il y a 2 semaines. Sur un challenge, je me suis suicidé. C'est parti pour un Apollyon V2, tiens. Allez. On m'a jamais fait de run avec. Sur cette save en tout cas. Donc la méta, on rappelle, c'est de. Ah bah tiens, des mouches. Manger tous les objets qui ne sont pas des dégâts. Pour essayer de se faire un énorme build. Et du coup, Apollyon V2, Méga Satan, c'est quoi l'unlock? Si vous l'avez, lavez-vous. Tu te fais agresser par ton lit, je risque de louper la coupe Wario. Ah, que terrible, hein. Louper la coupe Wario un dimanche, là. Les meilleurs coupes Wario. Rotten Bégard pour l'unlock. Ouais, Rotten Bégard, c'est pas fou. Hein. Rotten Bégard, ça donne moyen en vie quand même. Hein. Boum.
Cœur bleu. Ah, j'aurais peut-être dû le prendre après, ça, par contre. Merci, Boudul. 1000 bits. Merci pour tout, chez eux. As-tu déjà joué à Ori? C'est ma plus grande claque de DR ever. Oui. On a fait Ori 1 et Ori 2. Combien? Merci pour les 1000 bits, Boudul. Tout est sur YouTube. Alors, il y a des... Ori 1, c'est vieux, hein. Mais Ori 2, c'est assez récent. Et ouais, c'est sur YouTube. J'ai beaucoup aimé aussi la DA. Hein. Niveau gameplay, j'ai quand même bien préféré le 2 au 1. Le 1, c'est pas ma plus grosse claque de gameplay, même si j'avais bien aimé. Et sinon, ça go The Beast pour Echo Chamber. Ah. Ah ouais, Echo Chamber, bien en vrai. Echo Chamber, très très bien. Bon, écoutez, on va voir. En vrai, une petite run, Boss Rush, Rush Delirium, ça m'irait aussi en vrai. On va voir comment ça se passe en fait, comment ça se goupille tout ça. Pas d'objectif précis en tête là. J'aime pas définir un objectif quand on a tout d'open de toute façon. Le combat du 2 est tellement mieux. Ouais, mais pas que le combat en vrai. Hein. Mais oui. J'avais un peu... Un truc qui m'a un peu déçu dans Ori 2, c'était les phases d'énigmes qui étaient un peu dispensables selon moi. Petite phase d'énigmes genre de l'époque des jeux PlayStation 2 là. Mais à part ça, le 2 était vraiment un très bon jeu quand même. J'avais kiffé. Puis bon, c'était sur le Game Pass. Donc... Dans tous les cas, ça se testait quoi. T'as cru qu'il me demandait si j'avais joué au risque? Non, très peu, très peu. Merci Pantoine! Pantoine qui... Je vais nous mettre les fruits sur le... Hein. Je vais mettre les fruits sur le GoXLR en vrai. Hein. Merci beaucoup Pantoine pour les 10 subs offerts. Énorme bisous Pantoine. Que nouveau l'honneur. As-tu un message à faire passer? Ah, mais quel connard! J'ai réussi à prendre ça dans la tête, quoi. Oh, je suis horrible. Sur plume, des fois, je suis quand même un horrible. J'aime tellement pas le pattern de plume qui rebondit partout. Ah, ça, j'aime pas ça. Ça, je déteste. Il faut mettre un coup de fruit, hein. Mais si je mets un coup de fruit, ça va réveiller tout le monde. Un petit coup de fruit, là. C'est vers 15 secondes, ça? Raisin, banane, pomme. J'ai jamais voulu le mettre aussi fort, je suis désolé. Il m'a plumé. C'est dimanche, c'est l'heure des subs. Ah bah écoute, merci beaucoup. Bah, promis, je voulais réveiller personne, mais... C'est la barre de son Discord, elle a bugué. Raisin, banane, pomme. Oh, malaise, quand je suis allé faire pipi, j'ai pas rempli mon eau. Putain, il faudrait 15 gourdes comme ça par stream. Ou alors il faudrait un petit frigo américain dans la pièce de stream. Frigo américain là, hop, me sers mon eau. Hop, petite binouze. Je serais bien là. La petite pécheresse de minuit et demi, là. J'avoue. Houblon, seigle et malt. Un petit tiroir à eau. Il faudrait un distill, en fait. Il faut que Elgato il nous sorte le distill de streamer. Le problème, c'est que si c'est le gâteau qui le sort, il sera un peu buggé et on boira souvent notre pisse, quoi. On a accès à item room, vu que mon habit s'est chargé, je vais y aller. Ouais, non, ça, je prends quand même, hein. Quand c'est de la speed et du shot speed, je suis pas sûr que j'ai envie d'avoir une mouche en plus, hein. Damage up, je veux. Hein. I want the damage. Hein. Si on veut que les mouches soient efficaces, il va nous falloir du dégât là. Oh, le double luck up aussi fait plaisir. Hein. Je l'avais pas capté. Ça marche le double charge sur les items en bas à droite? En pro card, c'est nice. Je crois que oui, mais je préfère demander.
Oui, ça fonctionne. La tireuse à bière et le gâteau qui donne du sirop de fraise. Ouais. Ou de la bière sans mousse, quoi. De la bière pas gazeuse. Hein. Petite bière BSOD, là. Pourquoi quand je bombe la machine, pète et pas la tienne? Parce qu'on n'est pas sur la même version du jeu. Depuis Repentance, c'est le cas. Enfin, surtout depuis le patch de juin, en fait. Avant, si t'as Repentance sur Switch, c'est normal, je crois. Vous avez pas le patch de juin, donc vous avez pas cette feature. Je prends ça, je pense. On prend ça, comme ça, on est vraiment safe en termes de points de vie pendant un bon moment. Et puis, ça va nous permettre... partir God Room, tout ça. Ça nous permet aussi d'aller chercher la Curse Room, en vrai. On est à 6 minutes 16. Je me demande si ça vaudrait pas le coup de speeder un peu. Hein. Ça manque genre de un objet pour commencer à speed. Je vais ramasser cette clé. Hein. J'en ai rien à foutre. Let's go. Que les mouches scale sur mes dégâts. Oui. C'est pour ça que ça a tout intérêt à... T'as tout intérêt à ramasser un max de damage up et à bouffer un max de mouches. Enfin, bouffer un max d'objets qui sont pas des damage up à côté, en fait. C'est un peu la strat la plus... hein. La plus simple à mettre en œuvre pour Apollyon V2. Super. Les shopkeepers qui donnent pas de pognon, hein, j'avoue. Hein. Vu, hein. Petit virus, là. Petit virus, je prends. Hein. Attention, hein. Oh, j'aimerais bien savoir les chances que c'est ça. Ça va pas tomber. Hein. Pognon dans la poche. Pognon, ça reste à la pogne. Ok. On va aller en shop d'abord quand même. Quoique non, mon habit s'est chargé. Bon, vas-y. Mon habit s'est chargé, on va aller en item room. Waouh, la salle, elle est pas bien. Oh, oh là là. Oh, la salle, what the fuck, quoi. What the fuck, bro. Allez, go item room. Tu fais un abyss dans une salle de boss rush, ça transforme tous les items en mouche ou pas? Ça en choisit un, vu que t'avais le droit d'en prendre qu'un seul. Oh, ça, je mange, hein. On va jouer les mouches en priorité. Non, ça, en fait, quand t'as le choix entre plusieurs objets, le jeu il va manger qu'un seul de tous ces objets. Comme si t'avais eu le choix, en fait. Comme si l'objet en avait choisi un parmi les quatre. Par contre, si t'arrives dans une item room et que t'as le droit de ramasser les deux, là, il va manger les deux. Et du coup, te donner deux mouches. J'ai mangé le cake aux fruits. Bah ouais, mais parce qu'en vrai, le cake aux fruits, là, je le sens pas trop. J'ai que 1,82 de tir rate, donc c'est mes mouches qui font principalement... Enfin, la... J'arrive plus à parler. Le plus gros taux de dégâts, ça vient de mes mouches. Le plus gros pourcentage de dégâts vient des mouches. Du coup, autant se concentrer là-dessus. J'ai failli faire un AVC. Ouais. J'étais à deux doigts de partir en AVC. Hein, tellement, j'ai pas trouvé le mot. La majorité, hein, c'est ça que je cherchais. La plus grosse part, je vais vous dire la plus grosse part de mes dégâts, tout en voulant dire la majorité, tout en ayant une histoire de pourcentage en tête, du coup c'était terrible. Quoi. BFF et Hive Mind, c'est 25% de dégâts des mouches chacun. Ok, on a l'accès Curse Room là. Pour Boss Rush, en vrai, ça va peut-être être un peu tendu. On va voir. Plus de Curse Room. On le mange juste
pour le bouffer en fait. Comme ça, ça nous fait une mouche en plus. Parce que oui, on peut manger des choses en les tenant dans nos mains maintenant. Tu dois être couché, t'es déjà meurtri de rater la coupe Wario. J'espère également que je ne raterai pas une run Abel. Ah, tu dois vraiment être couché. Oh merde. Je suis désolé quoi. Je suis désolé de faire la coupe Wario si tard. En vrai, c'est à peu près l'horaire classique de la coupe Wario. Bah écoute, j'espère que tu la rattraperas en VOD quoi. Bon, Shade, on va le manger, hein. J'annonce. Pour ça, faut juste que je chope assez de charge. Ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Bonne nuit. Bon, surtout que je sens que cette semaine, elle va être fantastique. Je sais pas pourquoi. Je me dis que cette semaine, la coupe Wario, elle va être infaisable. Je le sais déjà, en fait. À l'intérieur de moi, je sais que la coupe Wario est infaisable. Oh, le temps de réaction était terrible. Hein. D'un côté, je fais des avant-arrière, avant-arrière aussi. T'as fini le doc intermédiaire de ton mémoire aujourd'hui. Bah écoute, GG. Hein. Attendez, je prends ça au retour. GG pour ça. Petite coupe Wario à 3h du mat. Non mais calmez-vous. Demain c'est live journée là. T'as raté The Lost. T'as raté un gridier avec The Lost. C'est le Boomty Lost Ark. Bah si les serveurs reviennent, si les serveurs reviennent pas. Ce sera plus tard dans la semaine, je pense. Ok, cassons-nous. Décaler la cam de genre 2 cm à droite pour qu'on voit les charges de Abyss. Oula, non. Désolé, non. Bonsoir, non. Tintintin. Après, c'est vrai que j'ai l'Empereur Card sur moi. C'est bizarre parce que d'habitude, on les voit, non. Ah, j'ai peut-être décalé la cam à cause du fond vert. Ouais, bon, je verrai ça hors stream, hein, s'il vous plaît. Je note qu'apparemment la cam a bougé. Mais je l'ai décalé sur mon écran la cam parce que justement en fait je voulais changer un truc par rapport au fond vert. Tu réserves mon créneau de mardi prochain pour ROR 2. Comment ça mardi prochain? Mardi prochain on est sur Elden Ring, non j'aurais pas fini je pense. Je sais pas combien de temps on va mettre à faire Elden Ring en vrai. Ça sort vendredi. Elden Ring, c'est vendredi. On va stream tout le week-end. Tu vois. Je sais pas combien de temps on mettra. De toute façon, oui, Risk of Rain 2, on va y jouer. Hein. Ça sort jeudi. Non, Elden Ring sort vendredi. Ah, peut-être Risk of Rain 2 sort jeudi. Possible. Je sais plus. Trop de trucs qui sortent. Avec ma maladie de la complétionnite, ça risque d'être long. Mais en vrai, pas tant que ça, parce que les From Software, j'ai jamais de maladie de complétionnite dessus, quoi. Après, bon, là, c'est un open world, donc c'est chiant, on va vouloir clear un peu les boss et tout qu'il y a sur la map. Mais je veux dire, à part Sekiro, que j'avais 100% succès pour une raison inconnue, sûrement parce que j'avais trop aimé le jeu, les Dark Souls et tout, je les faisais, et puis point barre, quoi. Un petit New Game Plus, et puis voilà, quoi. Il y a juste Sekiro qui était problématique par rapport à ça. Toutes ces mouches. Risk of Rain 2, c'est le mardi 2 mars. Ah, donc c'est bien mardi prochain. Oui. Je crois qu'ils ont annoncé les persos qui restaient là, non? Elden Ring, on commencera tôt aussi. Hein. Oh oui, tous ces cœurs bleus, quel plaisir. Une Blue Candle. Ah, la Blue Candle, elle peut mettre très très bien, mais est-ce qu'on aura le pognon pour?
En tout cas, pour le boss rush, ça risque d'être compliqué, là. Vraiment, on est sur des étages full clear qui prennent du temps. Oh, Blue Candle. Ok, faut foncer. Faut que je fonce. Fonce, Michel, fonce. On a deux étages à faire en 5 minutes, là. Terrible. J'ai une bombe pour la God Room. 72% égale 0%. J'avais déjà la salle. Oh non mais mon cerveau il est cramé depuis 2 heures là en fait. Hein. Avec les heures passées ce week-end sur le Stark, là mon cerveau est cramé depuis 2 heures en fait. Hein. Sorry. On s'use, pas on s'use. Fallait pas que je fasse ça. J'ai pas le time. Des heures de training Fall Guys. Pardonne pas, hein. Ça c'est le genre de truc, ça fatigue en vrai. Hein. Après le FFF Fall Guys nous a bien fatigué. Hein. On a tout donné. On était à fond dans l'animation. Je vais cramer ma carte The Emperor. Bah si on... En dernier recours, ouais. En dernier recours, on pourra toujours utiliser ça. Mais je pense que c'est faisable. Si je fais pas trop de la merde, à mon avis, c'est faisable. Non mais étoile, c'est terrible ce qui lui est arrivé en vrai. Je souhaite ça à personne, hein. D'avoir passé autant de temps en training, et du coup il sait pourquoi, on sait pourquoi genre étoile en particulier arrêtait pas de se faire kick des games ou comment ça se passe. Genre il avait des soucis de co, bas d'internet. Les serveurs sont up, on est prêt pour le bounty. Oh c'est vrai ça? Oh ça c'est une bonne nouvelle ça, si les serveurs sont up, hein, c'est une excellente nouvelle. Hein. S'ils ont mis que 50 minutes... À la place de 2 heures. C'est pas juste des crashs. Bah je sais pas ce qui est arrivé en fait. Souvent ils annoncent large. Bah peut-être depuis la première match qu'ils avaient pas annoncé large pour le coup et qui a duré 6 heures. C'est peut-être pour ça en vrai. Ça lui est arrivé sur le jeu normal, je crois, donc c'est sûrement Sako slash son PC. Ah, ça lui est arrivé pendant le training? Oh non, mais attends, mais terrible. Moi, je pense que j'aurais pété un plomb. Si déjà, dès le training, ça m'arrivait, j'aurais jamais tenté. Enfin, oh là là. Ah, la résilience d'étoile, elle est propre. Hein. Si pendant le training, déjà, il avait des crashs, oh là là. Le fait de mettre autant d'heures et de se dire, allez, let's go, je veux perf. Mais il y a une chance sur deux que je crash. Vraiment, c'est, je vous jure, c'était ma phobie pendant le Twitch Rival. Hein. La co qui coupe, par exemple. Et là, terminé, en fait. Tous tes espoirs sont finito. Ta co qui s'arrête. Tout simplement. Ciao, bye. Faut que je me mine le Hug, putain, je pensais qu'on ferait plus vite cet étage, là. Eternac idéal pendant le rival. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça risque d'empereur, hein. Je vais pas vous mentir. À deux doigts d'empereur, ici. On va vérifier quand même 2-3 trucs. Ok. Mendiant, on a pu le tuer pour essayer d'avoir une salle à la fin de l'étage, peut-être. Il est jamais trop tard! Oh putain.
Donc quoi, si on mange un objectif, bah tu manges l'objectif, je crois. Hein. D'ailleurs, des objectifs qui doivent pas être mangeables, genre les dad's notes, je pense que comme avec le void normal, tu peux pas. Candle. Oh merde, j'ai qu'est-ce qu'il y a? Non mais non. Le mendiant, je pouvais pas le tuer à la candle, qu'est-ce que vous racontez? Bon, j'y vais en vrai. Hein. Il fait des bêtises. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, pas la môme rouge. La môme rouge, elle peut éteindre tous mes espoirs. Prendre les dégâts, je pense. Vu les objectifs qu'on se donne. Celtic Cross. Scapula. Ça, c'est trop bien. Seafly. Oh la vache. Oh, c'est dur. C'est dur. Oh, c'est dur de choisir, en vrai. Parce qu'il y en a un qui donne quand même beaucoup de dégâts. Hein. Pas de bombe. Ah oui, pas de bombe. Bien vu. Zéro bombe, en fait. Bon, bah, c'est vite choisi. Hein. Tum, 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 tum. Non, non, commence pas. No balls. No bombes. Il va prendre 20 ans ce boss rush, je le sais déjà. Hein. Quoi qu'en vrai là, ça devrait commencer à tataner un peu là. Tatailler. Eh, viens-moi ça. Oh, c'est ça, vas-y. Hein. Fais-toi plaisir, The Dark One, on te déteste. Le trou au milieu, mais pas particulièrement bien. Ouais, hein. Dommage la bombe. Hein. Psyfly, c'était excellent pour aller sur un objectif Hush Delirium, par exemple. Hein. Dans tous les cas, on reste sur un objectif Hush là maintenant. Bah, Delirium, je sais pas. Ça va dépendre de ce qu'on trouve encore derrière là. Il va peut-être me falloir un petit peu plus pour... Non, vas-y. Pas comme ça, quoi. Tum, tum, tum. T'as Forsaken, ok. Oh, la tangente qu'il faut prendre! Oh, putain, le caillou! Oh, le bâtard. Ah, bah oui, je pars à l'autre bout de la map. Du coup, tu te fais plaisir, on le sait. Il a fait tout le tour. What the fuck? Oh, le petit cœur bleu qui fait plaisir là. Faut me rembourser de toutes les arnaques que j'ai eues sur la tête là. Non. Oh, le ralentissement. Ouf. 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 Non. J'aurais kiffé qu'il aille dans les pics. Oh, pile. Non. Oh, ce boss rush où j'ai pris tant de dégâts, quoi.
faudrait vraiment que j'imagine que je joue Tainted Lost, parce que là c'est terrible ce que je fais en vrai. Après avec Tainted Lost on aurait sûrement un meilleur build ici. Hein. Pour aller au boss rush. Ça va, t'invoques pas trop là, tranquille. Je l'ai pas déjà eu lui. Ah non, je confonds avec Guiche. Le layout de la salle, il fait très mal. Hein. Ah bah je l'ai débloqué en fait, Isaac Sart. Vous aviez bien raison en fait. Vous aviez totalement raison, j'ai débloqué Isaac Sart. Je prends pas le A+, je pense. On va le perdre. L'oreille du Prime, il a dormi qu'une journée. Merci Zephyro pour les 3 mois de Prime. Des gros bisous. Fallait toucher, ouais ouais je pense ouais. Je pense qu'il fallait le prendre là le Isaac Sart. Avec mon nombre de points de vie en plus, c'était le bon play. Vu. Bah j'ai pas de bombes en fait, j'en ai toujours pas, hein. Ils sont pas apparus. Oh double vue. Oh, double vue, il me faut tellement des bombes s'il te plaît. Double vue de une salle, un rocher marqué à chaque fois. One shot, one kill. Oh bombs, gimme bombs, gimme bombs. Oh le jeu qui veut pas me régaler. Is that a joke? C'est l'autre qui me crache dessus à l'autre bout de la map là, j'ai envie de péter un plomb quoi. Le fume-lard. Hein. Isaac Sart est beaucoup mieux qu'avant, le cœur sert à quelque chose. Oui, enfin, ça reste quand même un truc à pas jouer, quoi, globalement. Mieux qu'avant, pas mieux qu'avant, tu le joues pas, quoi. Oh, la PLS du truc. Et on va vérifier qu'on n'a pas une deuxième bombe. Ensuite, on reviendra. En fait, y a un truc qui est terrible avec Apollyon V2, c'est que tu veux caler un maximum de mouches dans l'alignement des ennemis. Et du coup, en faisant ça, souvent, tu ruines tes esquives, en fait. Tu grid pour placer les mouches. Et du coup, tu fais pas exactement le déplacement que t'aurais fait dans la salle normalement. T'as pas le même comportement en fait. Vu x3, ouais, j'ai vu x3, mais le problème c'est que j'aimerais avoir plus de bombes quoi. Oh, y a la punition de cette run quand même un peu là. Elle est bien, hein. La run est bien. Hein. Latchkey, cool. On aurait préféré les bombes. Oh le bazar. Là le bazar. Oh là 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 là. Ça ne compte quand même que pour rien. Et du coup, on a nos deux bombes. Two of Hearts, ok. J'ai déjà le Small Rock ou pas hein? De toute façon, à chaque fois, je me fais rembourser, donc... Ok. Merci, Gingembre Brony, pour les 8 mois. J'ai recommencé une save au secours. T'as recommencé une save, Isaac, là? Ah, au secours, un peu. Bon courage. Ok, il me reste 3 minutes. C'est largement suffisant. On y va maintenant. Isaac Sart, du coup. Alors, on aurait dû jouer Isaac Sart, hein, dommage. Hein. The Devil. On a quoi sinon? Deux of Hearts. Je vais garder The Devil pour un objectif genre Hush, un truc comme ça. Merci à Lekin pour les 9 mois de Prime. Il dormait le bébé. Merci beaucoup. Re-bienvenue. Et là, une Erki. Non. Zéro Erki.
Du coup, le point faible de ce build, c'est qu'on a arrêté de jouer le sablier, enfin pas le sablier bleu, mais la candle en fait. Coup Delirium ou Mega Satan. Là, on part sur Hush Delirium, je pense. Le build est trop bon pour pas aller voir un Delirium. Mais bon, le fait est qu'on a la clé, oui. Bah super, ça magnifique, vraiment incroyable. Hein, de rester devant, quoi. Oh, le map dog. Oh, envie de gerber, putain. Si tu veux gerber, gerbe. C'est là qu'on regrette pas le Lusty Blood finalement. Ok. Ah. Booster pack. Ace of Clubs, 2 de diamants. The Lovers, The Moon, The High Priest. Ouais. 2 de diamants, on aurait pu attendre quand même. Waouh, montée Zuma revanche. En vrai, on l'a jamais pris. Oh là là. Non, on va prendre ça en vrai. On peut casser les cailloux avec ça, on va. Oh ouais, quel plaisir. Le Stiblot, bah dans une salle en fait, quand tu tues un ennemi, tu boostes ton damage pour le reste de la salle et tu peux le faire genre jusqu'à 10 fois quoi. Ouais, je vais jouer Montezuma revanche. Hein. On va même jouer cette merde là. Après, ça j'aurais pu le manger avec Abyss aussi. Hein. Terrible. C'est parti. Rosco malade dans les prochains jours, c'est cool. Non, s'il vous plaît. Pas le Montezuma Revenge. Pas la Curse of Montezuma Revenge, tous mes bazins. Donc tu vois, très très fort sur Hush, le Stiblot, parce que comme évidemment la première partie invoque plein d'ennemis, on s'est directement boosté en dégâts pour le reste du fight, quoi. Alors ça fonctionnera pas sur Delirium. Ah bah si, ça peut fonctionner sur Delirium, parce que Delirium peut se transformer en des boss qu'invoque. Donc en vrai, ça va, c'est cool. Je vais quand même garder ma carte The Devil pour l'instant pour Delirium. J'aurai au moins un boost direct quand j'entrerai sur le fight. Tintin, oui. Pourquoi il y a souvent des traps chez Hush? Bah parce qu'il y a peu de cailloux en fait. Donc comme il y a peu... En fait, le jeu décide si tu vas avoir une trappe dans l'étage ou pas. Et si t'en as une, après il va placer aléatoirement sur un des cailloux. Il va tester tous les cailloux de l'étage et il va dire, bon bah voilà, c'est sur celui-là. Donc si t'as une trappe chez Hush, c'est très facilement vérifiable parce qu'il y a très peu de cailloux. Et ils sont toujours au même endroit. J'étais pas censé prendre une tarte là par contre. Hein. Oh, j'aime pas cet enchaînement là. Bon, stop, 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 crier. Mais putain, mais c'est vraiment de la merde ce pattern. Hein. Même quand tu fais la full esquive,
À chaque fois que tu reviens, c'est pour t'en prendre une dans la gueule, quoi. C'est vraiment le pire truc, en vrai. Soul of Apollyon, du coup, débloqué dans une seule run, c'est cool. D'avoir fait Boss Rush et Hush. C'est quoi cette carte? The World. Ok. Vas-y, c'est Fidan pour les 11 mois. Je crois que je t'ai loupé juste avant le fight. Des gros bisous. Bon, en vrai, c'est un build Delirium, mi-Delirium, mi-on se fait chier quand même. Hein. Le fight risque d'être un peu long, quoi. Ça risque d'être un long fight Delirium, en vrai. Mais bon, au moins, c'est fait, quoi. Et on va débloquer Abyss, quoi. Si ça, c'est pas le plaisir. T'as encore moyen de stonk dans le void. Bah ouais, ouais. On va voir ce qu'on loot, quoi. Quand on va looter une petite Erki sur les boss, là. Le divin combo Montezuma révélation, quoi. Il est bien, hein. On chie du laser, littéralement, quoi. On va vérifier la petite présence de cœur, en vrai. Hop. Je me fais un peu troller, mais... Why not? Putain, le laser qui troll bien bien sa mère, là. Tu sais que la R-key sur ton clavier a le même effet que l'item. Putain, c'est vrai, mec? Attends, mais ça a l'air incroyable. Genre, tu veux que je teste, là? Putain, j'avais pas l'info. Genre, c'est un cheat code. Je peux tester, tu penses? Je tue DRM, après j'appuie sur R, c'est ça? Oh, merde, putain. J'ai pas vérifié que... Oh, putain. Genre, le placement est dégueulasse, en vrai. On fera les autres boss après, du coup. Ou alors j'appuie sur R, en vrai, ça a l'air bien. J'ai pas vérifié le placement, j'ai été très con. Enfin, c'est pas grave, c'est pour le speedrun, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la vitesse. 34 minutes, Apollyon V2, Delirium. Aïe, 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 aïe. La touche R embarquée sur le clavier, elle serait bien. Hein. Alors, lui, je peux lui proposer une petite astuce aussi, c'est sur son clavier, il peut appuyer sur Alt F4. Ça lui évitera un ban life, quoi. C'est le movement au passage. J'espère que ça roule. Tu joues encore Arceus, le movement, en ce moment, ou c'est... T'es repassé sur de la chasse au shiny classique. Je sais pas à quel point Arceus propose du endgame intéressant à... Oulala. À farmer pour les streamers, en fait. Pour les créateurs de contenu Pokémon. Oh là là, il est vénère, Delirium. Il s'est énervé, là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je lui chie dessus, littéralement, en fait. Je fais de la double chasse, un côté Arceus, l'autre côté un peu ce qui me fait... Ok. Marrant, ça. Je sais pas ce que j'ai pris. Il y a un truc qui a dû me spawn dessus. Infâme. Infâme tiers. Oh putain, le pied de mom, c'est toujours un grand moment quand même. Hein. J'ai vraiment pas hâte de Tainted Lost, de cet objectif là avec Tainted Lost. Si on n'a pas une run avec le piment et tout, j'ai pas hâte. Hein. Que Delirium, c'est de pire. J'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire. Hein. Mais rien n'est moi ça. Mais... Il y en a partout, putain. Et si y en avait. Si c'est juste qu'il y en avait partout, ça irait. Mais il y en a partout. Plus. Il peut nous mettre des coups inesquivables, quoi. Notamment avec la transformation en pied de mom. Oh,
Tous les trucs où il jump, c'est... couche absolument. Hein. J'espère qu'il y a des shiny dans Elden Ring. Putain, j'avoue. Petit boss shiny, là. Chasser les boss dans Elden Ring. Merci pour le GG. Je vais quand même vérifier les boss. Vérifier ce que me donnaient les boss. Parce que s'il y a une petite air key, quand même. Ce serait dommage de louper ça, quoi. On lève les bras, là. On va pas lever les bras à une heure et demie. Là. On a passé les 500, ouais. En plus, on a passé les 500 sur Gridier avec The Lost First Try. On sait pas Tainted Lost, mais c'est déjà ça de prix, on va dire. Préparer le moment. Putain, j'avoue. Le moment Erki, là. Ah, j'ai plus aucune énergie en moi, là. Je peux pas vous faire le moment Erki, là. Ils sont où, les boss? Par pitié. Merci Tex pour les 8 mois de Prime. Trop bienvenue, des bisous. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas vraiment l'objectif, là. Surtout avec tous les cœurs que j'ai. Hein. J'ai mes 500 secrets, j'ai mes 500 signatures, c'est ça que vous êtes en train de dire là. Vous êtes matrixé. Vous êtes matrixé, rappelez-vous ce qu'on a dit dans Horizon, hein, bien sûr. Zéro poétique dans les jeux vidéo. Allons jouer tout de suite à Far Cry 6. Un jeu pas politique. Oh, la belle salle. Oh, on l'a bien aimé. Attends, mais... Ah oui, il est invincible tant qu'on n'a pas tué tout le monde. Ah ouais, donc vraiment la belle salle. La belle mixtape, quoi. D'ailleurs, Horizon, il va en refaire demain. Bon, là, c'est terrible parce que du coup, on va enchaîner sur le Bounty Lost Ark Into Cupuario. Et demain, je suis censé live toute la journée. Je suis bien. Demain, je vais être bien. Je vais être en pleine forme. Demain, ça va être le stream café, je pense, hein. Mais demain, je vais refaire du Horizon All Day. Quoi. Dors pas au pire, ouais, je pense, ouais. Bah, si je dors pas, j'ai pas le souci de me dire est-ce que je vais être fatigué demain, en fait. Ne pas dormir est la solution. Qu'en vrai, la air key, là, c'est à peu près le pire truc qui puisse m'arriver. Vu le lourd programme qu'on a encore derrière ça... Et le lourd programme de demain, trouver une air key maintenant, c'est à peu près la pire punition. Donc maintenant que je l'ai dit, le jeu va me la donner. Mais le jeu ne saura jamais si je l'ai manipulé pour valider un mother gratuit ou s'il m'a vraiment baisé, quoi. Ça peut pas être par là. Oh, les salles dégueulasses et vraiment horribles, quoi. Les versions élites qui s'enchaînent, mais qui sont les plus horribles les unes que les autres. Hein. Terrible. Allô? Est-ce qu'on vous voulez? Les salles du chétan, quoi. Dernier try. C'est maintenant. C'est maintenant que le jeu me donne Erki. Tu me le donnes pour m'emmerder. C'est tout de suite. Le moment. Dommage. Tiru.
Ah, je sais pas où est la putain de secret room de ces morts aussi. Hein. C'est drôle, j'ai pas de map. J'ai zéro map. Hein. Ah, vu. Et non, malheureusement, on n'est pas dans un chest. Du coup, ça le fera pas. Je peux pas toujours avoir le bonheur, quoi. En tout cas, GG. Abyss est débloqué. On passe à 503 succès. On a mine de rien fait 3 succès sur cette run. Je me demande bien ce qu'on a pu faire, en vrai. Ah non, on a fait 2 succès. On était à 501 parce qu'on a fait la run Mother juste avant, là. Avec Isaac V2. 503. Au revoir, YouTube. Des gros bisous. Merci beaucoup. On a passé les 500. Une belle run The Lost.